Bonsoir tout le monde. Ça fait très longtemps que je n'ai pas livé, ça se dit. Je sais pas, ça se dit. Je suis accompagné de Miro. Bonsoir Miro. Hello. On t'a perdu. Non. C'est parce qu'en fait, j'ai le live et comme ça fait un retour, bah du coup. Ah. C'est un peu perturbant. Alors, en fait, bah le mieux, c'est que tu me diras comme ça si nos voix elles collent bien, etc. Oui, pour l'instant ça colle bien. Là j'ai enlevé le live parce que j'arrivais pas à mettre en mute. Est-ce qu'on avait bien le son du jeu, tout ça? Est-ce que c'était bon? Ouais, le son du jeu était bon. Peut-être des trucs qui sont un petit peu forts. Attends, je le recheck. Mais bonjour à tous. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous les deux. Et ça fait longtemps que toi t'es pas venu en fait aussi. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous les deux. Et ça fait longtemps que toi tu n'es pas venu. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live là. C'est. Les gars, je suis pas droit face à la caméra. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live parce que la flemme. En réalité, il y a eu beaucoup de flemme. Et surtout, en fait, en ce moment, j'avais vraiment envie de faire des jeux pour moi et faire beaucoup de tournages pour YouTube. Donc c'est pour ça que vous m'avez très peu vu en live et surtout, je manque beaucoup de temps. Le soir, quand je rentre et tout, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Mais tu es là, j'ai vu en ce moment, tu animes vraiment beaucoup la chaîne. C'est bien, vous avez du Mio, vous avez du contenu de... Trop de mort. Exact. Wakfu, ouais. Wakfu. Toutes les semaines, un peu de Wakfu. Oh, c'est bien en plus. En ce moment, t'actives à fond sur Wakfu, donc c'est bien. Oui, et ça plaît beaucoup. Hein. Ça plaît énormément. Donc, je suis très content, tout ça. Je suis remis dans mes câbles. Hein. Je t'écoute en même temps, mais en fait, c'est juste j'ai un câble qui écrase mon câble de casque. Et donc, ça le fait tomber. Voilà. Le dur retour. du retour parmi les lives. Quand t'as pas cette note pendant un petit moment. Et donc là, on se retrouve parce que forcément, il y a une nouveauté Pokémon. Toi, tu es fan de Pokémon, donc forcément, on va essayer de capturer des nouveaux Pokémon qui sont arrivés, qui sont, je ne sais plus. Alors, c'est Serpentot, le Suicune très bizarre, le Suicune Raptor, et Ver de Fer, le. J'ai oublié le nom de ce Pokémon, de ta version. À savoir que c'est pas la première fois qu'ils sortent, c'est la deuxième. Et Viridium, voilà. Ver de Fer, c'est Viridium. Ok. De Pokémon de la cinquième. Et donc, c'est pas la première fois qu'ils sont dispo, c'est la deuxième. Mais la première fois, j'ai loupé Ver de Fer parce que j'ai oublié comme un idiot qu'on pouvait aller participer à des raids des autres jeux, des autres gens, et donc potentiellement des autres jeux. Et donc, j'ai capturé qu'une seule fois le Serpentot. Bon, bah là, on va faire le plein quoi. Ah, pardon, on va se mettre en grand, comme ça, hop, vous pourrez profiter pleinement. Il n'y a pas ma caméra parce que quand on live le soir, etc., j'ai pas envie de déranger parce qu'il y a du monde derrière moi. C'est en fait. Déborah en général se pose pour lire un livre, etc. Donc, si vous voulez pas voir une personne derrière moi en train de lire un livre, il y a plus en plus vous profitez pleinement. Regarder un live, prendre interrogation. Et actuellement, je sais plus ce que je voulais dire. Ah mince, attends une chose. Attends, je remets la scène. De toute façon, c'est un live qui part directement comme ça. Tu voulais voir mon gâteau. Eh ben, j'ai mon gâteau qui est là que j'ai fait. Regarde ça avec mes petits dinosaures. Oh oui, tu voulais le voir avec les pépites de chocolat, et bah tu le vois, vous le voyez tous, qui est très bon. Voilà, c'est ton sujet. Il a l'air très bon. Ouais, vraiment, ouais, je suis content de moi. Pour un truc fait à l'arrache, je suis content. Alors, comment que ça fonctionne tout ça? Il y a des baies partout. Là, c'est un cristal qui est à toi. Alors, moi, j'ai déjà marqué un cristal qui, je pense, est Serpentot. Comment tu le sais en fait? Attends. Alors, les cristaux, normalement, le tien, il devrait être type plante. Ah oui, il brille. Et il brille, ouais, exact. Ouais. Là, j'en ai un type fée qui brille. Non, ça doit pas être ça, alors. Normalement, ça doit être de type eau. De type plante pour toi. Bah, pourtant, j'avais qu'un seul qui brille comme ça. C'est le seul qui brille de cette façon-là. J'en avais pas d'autres. Ah bon? Ouais. De type, tu dis quoi? Fée. Fée? Attends, où est-ce qu'il est? Là, regarde. Juste là, et il brille. Il est tout brillant. Ah, attends, ah, c'est celui-là, c'est celui-ci. Ouais. C'est petit. Vas-y, écoute, clique dessus. Et, t'as toi, depuis, on n'a pas fait de live dessus, mais tu as sacrément évolué. Ouais, je me noie. Tu n'es plus la même personne désormais. Oh non. Oh non. J'ai maître de ligue, effectivement. Et quoi d'autre?
et mes Pokémon sont quasiment tous niveau 100. Donc voilà. Oui, enfin, mes Pokémon de l'aventure. J'ai Pokédex quasiment. Je suis derrière toi, j'ai vu partir. Attends, c'est... Ah, un cristal juste là. Qu'est-ce que c'est comme cristal? Tu vas me la prendre. Non, fais gaffe, là, tu es vers un. Voilà. Un Pokémon. Oui, je sais, je pense. Qu'est-ce que c'est comme Pokémon? Oh, un Tauros. Mais c'est un Tauros normal, c'est pas un Tauros spécial de l'univers. C'était juste pour savoir. Hop, bah, vous savez que je ne te vois pas. Ah, je crois que c'est ça. C'est celui-ci, à mon avis. Il brille de mille feux. Moi, je suis derrière, mais attends, j'arrive. Enfin, je pense savoir où c'est. Ah ouais, je suis allé à mon truc, mais. Ouais, j'arrive. Non, je me suis fait tout à l'heure et je ne m'en remets pas. Ouais, franchement, fou. Jouer à Pokémon en nomade. Hein. J'avais oublié, je joue sur écran seulement quand on joue ensemble. Et waouh, ça pique. Hein. Ouais, sur grand écran, je te vois. Oui, il faudrait que je pense à te donner des Pokémon. Exactement. Est-ce que j'ai des Pokémon à te donner pour ton Pokédex? Oui. Et moi, je le prends. Ça, donc, c'est vu que c'est le mien, il faut que tu me rejoignes. Ah oui, c'est ça, c'est lui. Ah, attends, parce que je suis bête. Attends, j'ai quitté. Changer de Pokémon, c'est ce que je voulais faire. C'est un Pokémon de quoi, lui, alors? Qu'est-ce qu'il y a pour le faire? Non, il est plante psy. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour plante psy? Qu'est-ce qu'il y a insecte. Pour ça? Je n'ai pas insecte. C'est fort. Contre plante, t'as feu. Ouais, c'est vrai. Feu, ouais, c'est pas mal. Ah bah, je prendrais bien Coraidon qui peut faire des bonnes attaques feu, mais j'ai Malvalam qui peut faire très très mal aussi. Alors fais gaffe parce que c'est plante et psy, et du coup là ça serait au combat. Donc, ça serait. C'est vrai que Malvalam, ouais, il est ténèbre. Il est ténèbre ou spectre, je ne sais plus. Spectre feu, je crois. Alors qu'est-ce qui serait mieux, le Coraidon ou le Malvalam? Ton œil d'expert, que dit-il? Bonne question. Moi, je dirais plus peut-être Malvalam. En avant, allez. Coraidon, t'as type combat et. Ouais. Ah, attends, il veut. J'adore plus mon Malvalam. Je te rejoindre. Je l'adore donc. Si je mets partir à plusieurs, normalement, tu vas pouvoir me rejoindre, je crois. Oui, je pense. Oui, ah oui, c'était ça. Et après, il va me dire voilà. Et après, il va t'inviter. Exact. Il m'invite automatiquement. C'est ce qui vient de se passer. C'est bien pensé. Voilà. Bah moi je vais partir avec le. Hop, je vais te raider. Et je sais pas si t'as vu, sur Voice Mode, on a plein de nouvelles voix. Rien à voir, mais j'y pense maintenant. Ah, j'ai pas regardé. Ah, il y a plein de. T'as la sorcière unique, le dragon. Mm-hmm. Oh. Le dragon. Oh. Bah, attends, si je peux te faire un petit coup de dragon, histoire que tu comprennes. Oh, vas-y. La puissance du dragon. Oh, le dragon, ça va être différent. Entends-tu le dragon? Est-ce que ça marche? J'entends pas le dragon. Non, ça marche pas. Est-ce que t'as bien mis voice mode? Ah oui, bien sûr, il y a voice mode. Alors en fait, ça marche. Vous l'entendez sur le live, mais moi j'entends pas sur Discord. Ah oui, forcément. Link Discord sur. Forcément. Alors attends, mais comment ça se fait que tu ne m'entendes pas? Comment ça fait que toi t'es arrivé? Préparation terminée, je suis bête, j'ai pas cliqué. Oh, désolé, vous regardez un live pourri. Non, t'inquiète. Mais de toute façon, ça aurait laissé du temps à d'autres personnes de rejoindre. Ah oui, c'est pour ça. Attends. Voilà, voice mode tout de suite. Est-ce que tu m'entends toujours bien? Oui, je t'entends toujours bien. Et attends, voilà, attends. El Dragon. Par contre. El Dragon. Ah, comment c'est le raid? Je suis attends, putain. Voilà, est-ce que tu m'entends toujours bien, le dragon qui est en moi? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Et si c'est le barbare veut te casse. Je trouve le dragon, je trouve vraiment très fastidieux, le barbare. Il a une bonne grosse voix. Mais qui est audible. Vraiment. Bah, c'est Mais je préfère le dragon quand même. D'accord. Sam, t'as la carte, t'as plein de belles voix, t'as plein d'audiard. T'as une belle chair. Ah, tu regarderas. Je ne peux plus l'arrêter, voilà. Tu regarderas, il y a. Oh, et ça rote. C'est vrai? Ah oui, belle chair, ça rote, je viens de voir, c'est pour ça. Ouais, il est trop classe, parce que je ne regardais pas, mais en fait il est trop classe.
Oui, il est c'est le plus stylé des deux, je trouve, mais... Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le problème, c'est que Franck... Ouais, je me suis rendu compte, finalement, on peut prendre le temps quand on joue comme ça. Ça fait quoi? Ce n'est pas très efficace, mais ça fait extrêmement mal. Ok, on lui fait zéro dégâts, on est nul. Il y a déjà César qui s'est fait défoncer. Ouais, je vais juste que le son, parce que dans ces passages-là, en fait, le son général du jeu est très fort. Ah oui, attends. Donc je laisse un petit peu le son. Ça. Ouais, tu fais bien de faire un peu. Voilà. Je sais qu'il est très très fort dans ces moments-là. Est-ce que ça fonctionne Il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent du décor des restes d'Arakuteto qui sont vraiment pas terribles. Ouais, j'ai trouvé assez joli. Ombre nocturne, ça servira à rien en plus sur lui. Franchement, le temps passe vite et c'est vrai qu'ils sont chauds à voir, mine de rien. Oh, il fait très mal. Ouais. Il m'a quasiment one shot. Il va falloir qu'on le tape plus fort que ça là. Il va falloir qu'on fasse beaucoup plus mal. Ouais, il va falloir prendre des Pokémon beaucoup plus puissants ou attendre de voir s'il n'y a pas des gens qui rejoignent. Moi, c'est comme ça que j'avais fait la première fois. Ah, il m'a tué. J'ai chu. Oh là là là. On est déjà à la moitié, on lui a pas enlevé la moitié, ça va être très très dur. Il va falloir qu'on prenne des Pokémon plus puissants que ça, je crois. Ouais. Alors ça c'est quoi quand il a sa barre qui se remplit comme ça, qui se cristallise? C'est qu'il est plus, il est encore plus dur à dépouper. Ah super, merci. Voilà. Au pire, on le refera avec des deux Pokémon peut-être plus puissants. On essaiera. Ouais, je prends. Un truc qui résiste aux attaques. Ouais, on va trouver. Oh, il me one shot à chaque fois. Donc là, on va refaire ça avec un Pokémon plus hard. Plus adapté, hein. Ouais. On va essayer de trouver mieux que ça. Ah voilà. Ça me laisse le temps, pense dans la mode, manger mon gâteau. Bon appétit. Bon appétit à vous aussi. Vous regardez peut-être en mangeant. Faites de la cuisine, vous verrez. C'est reposant, c'est agréable, c'est trop bien. Cuisiner. Ouais. On va prendre cher. Cuisiner, contrairement à ce qu'on pense, ne fait pas grossir. C'est l'étape après. Qui fait grossir? Non. J'ai dit autant utiliser les voix. Ah oui, j'ai entendu le cri là, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe? C'est le gâteau qui fait ça? Non, c'est le critère cristal qui nous a fumé. Bon, on va retenter avec un autre Pokémon. Alors, en fait, il passe ténèbres en fait. Au niveau. Donc, est-ce qu'on peut refaire un terrain en fait? Une fois qu'on l'a fait, on peut. Oui, on peut, ouais, tant que tu l'as pas battu. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser contre lui? Est-ce que je tente mon Coraidon pour voir? Lucario, ouais, il est que. Lucario, il sera pas excellent. C'est fait, il est acier combat. Parce que réellement, en fait, mes attaques feu, elles faisaient pas grand chose. Qu'est-ce qui est fort contre les ténèbres? C'est toi le pro de tout ça? Non, c'est Psy. Psy, ouais. C'est ténèbres, justement, qui est fort. Il était pas affecté par les attaques Psy. Ah bah mince, mon Malvalam, j'aurais pu utiliser Balle Ombre alors. C'est possible. T'es sûr qu'il est. T'es sûr qu'il était, il était pas ténèbre avec son truc sur la tête là? C'est pas le symbole non, c'est Psy. C'est Psy ça? Ouais. Alors, ténèbre, ah, mon Malvalam de. Très cool. Mon Malvalam devient Psy alors en fait, je savais même pas. Psy, qu'est-ce qui peut être bon? Est-ce que Coraidon, j'ai quoi? J'ai du physique, j'ai du normal et j'ai. Que les autres, en fait, là, j'ai une équipe en fait que j'essaie de faire monter actuellement donc ils sont pas ouf. Lucario, le problème, c'est qu'il a que du physique. J'ai que des attaques combat. Bon, allez, vas-y, on tente, quoi, on est là pour s'amuser. Ouais. Bon, on est là aussi pour gagner, mais. Ça serait bien quand même qu'on le capture au bout d'un moment. Ah non, j'ai mis comment. Bah, non bien. C'est bon, ça marche ou pas pour toi? Ah non, aucune annonce, non. Oh non. T'as mis aucune annonce. Je peux quitter? Ah là là. Trop de rapidité. Je crois, oui. J'espère, oui. Mais j'espère. Je vais tuer mes propres camarades pour aller plus vite.
Ah, il est beau, mais oh, t'as toute l'animation à me taper là, allez, c'est bon. On a compris. Et disons que j'ai toujours Miraidon à te donner. Oui, le Miraidon. J'ai un rôle, je ne peux pas quitter. Hein. Ça chat, ça fait plein de trucs, mais ça. Attends, je vais aller, il va peut-être fuir. Le problème, c'est qu'il a plein d'animations avant le début du combat. Ouais, ça c'est rôle. Bon, c'est quand tu veux. Ah, fuite. C'est la fuite. Ah non, il me laisse pas l'opportunité de m'enfuir. Oh non. C'est un tarbat. Ah tiens, j'essaie de savoir est-ce que ça fonctionne si je lui fais par exemple un. Si je lui fais des trucs comme ça. Je vais tester les attaques. Plus c'est long. Ouf, il fait mal. Il me fait mal. Ah oui. C'est très très mal. Micro crash. Juste pour voir un petit peu. Ok, donc ça sert à rien. Tout ce qui est combat, on oublie. Pas de micro crash, c'est micro crash, micro. Ni trop assez. Ouais, voilà. C'est une blague. Ouais, même le feu, c'est que dalle. Ouais, c'est plus ténèbres. Je sens tout pour le tout. Voilà, bah je meurs, allez. Oh non! Je mets la patate pour voir. Oh! Le problème, c'est qu'après, je peux pas taper pendant un tour. Ah oui, ça les attaques. Je peux pas taper pendant un tour, c'est pas bien. Ouais. Mais en plus, en tout cas, cette attaque-là, elle est trop. Elle me fait trop mal. Il faut que je fasse un truc qui me permette de taper du psy, quoi. Non, non, pas la peine de me restaurer, hein. C'est bon, j'accepte la défaite. Ah, mais pas j'accepte votre domination. Oh oui, je m'agenouille devant vous, votre puissante fer de fer. Je peux même pas taper, je peux rien faire. Je me fais juste rouler dessus. Allez, attends, on est là pour se marrer. Allez, on lui met la max. On offre du spectacle. Spectacle. Également cette puissance cristal, qui ne sert à rien parce que dans tous les cas je suis frein sensible. Oui, exact. En plus combat du coup bah ça tourne beaucoup vulnérable. Ah oui. Voilà. Boum, ouïaïaï. Souffle pour cette tête. Mais inversé. C'est ça. C'est pas comme ça que c'était prévu à la base. Ouais, quand il arrive à la fin, en fait, il se cristallise pour devenir encore plus fort, quoi. Ouais, exact. Oh là là, non, mais c'est pas possible. Et après, tu l'as dans l'os. Je n'accepte pas cela. Mais c'est chaud, hein, c'est la première fois qu'on galère. J'ai même pas vu le niveau de ton Pokémon en plus. Ah, je suis paralysé en plus de ce cadeau. Ah non, c'est lui qui est paralysé, ah, ça va. Alors, celui que j'ai sorti était 97. Ah, quand même. Et celui que je vais sortir est niveau 100. Ah. Alors c'est pas très efficace mais ça t'enlève quand même la moitié de ta vie hein. C'est pas très efficace voilà, mais quand même aïe aïe aïe. Mais dégage, je lui fais rien. Il rigole. Il se rit du danger. Comment ça me fait mal? Oh attends, j'ai hâte de voir qu'il y a une nouvelle voix, tu sais, je la connais pas. Est-ce que ça fait une voix mignonne? Je le saurai en fait lors du montage. Ouais. Qu'est-ce que ça fait comme voix ça? Oh, c'est trop bien! Je m'appelle pas Kirby! Non, c'est faux, par contre, je me sens. Je m'appelle pas Kirby! Ouais. Je sais pas ce que ça fait. Est-ce que c'est vraiment ta voix un peu aiguë. Il sonne comme ça, est-ce que ça fait grand? Et ça, par contre, ça te donne l'accent du sud. Oui, exact, moi c'est le classique de chez mon max. Je sais pas si ça donne. Et là, ça l'enlève. C'est un peu difficile à comprendre par contre. Ouais, mais il y a plein de trucs comme ça en fait dans Voice Mode. Le problème c'est que c'est souvent doublé par des gros accents anglais. Donc, bah, c'est très. En fait, tu peux pas l'utiliser genre, tu sais, pour faire un. Mince, pour t'en servir comme voix en voix off ou un truc comme ça. Parce que finalement, t'as toujours un accent derrière.
Oui, tu m'avais dit. Et puis des fois, des fois, tu comprends pas bien, exactement, ça articule pas très bien. Donc, ouais. Et ça, c'est un peu relou. Alors, regarde voir, j'ai du psy, mais je crois que je crois qu'il est sensible aux fées, le psy, non ? Ou c'est ténèbres ? Je sais plus. Non, c'est ténèbres. Mince. J'ai vraiment, en fait. Attends, je vais te dire, j'ai la page. J'ai vraiment aucun Pokémon qui est. Ah, mais non, c'est pas ça, c'est psy, attends. J'ai vraiment aucun Pokémon qui fait la peur. J'en ai vraiment aucun. Il est surpuissant. Table des types. Alors, il est faible face aux insectes, aux spectres et aux ténèbres. Il est résistant au combat et aux psy. Il est très efficace sur les combats et les poisons. Je vais remettre Malvalam. C'est le seul, en fait, qui peut dire « Ah, c'est celui qui a sauvé, je t'en avais filé un comme ça. » Que non, moi, tu l'as pas dans ta version, celui-ci. C'est moi qui te l'avais filé tout bébé. Oui. Oui, oui. Et du coup, il est monté. Et là, tu devrais être fier parce qu'il est niveau 100. Oui, je le vois maintenant. Je le vois grand. Oui. Oh. C'est un de mes Pokémon préférés. Je t'ai connu si petit. Je t'ai connu, t'étais où comme ça ? Tout petit, petit. Tu te rappelles ? On s'est connu, t'étais tout bébé. T'as grandi, dis donc. On s'est rencontrés dans la grotte. C'est ça. Cette grotte où je t'ai rencontré. Je suis rentré dans la grotte, tu étais libre. Je suis ressorti, tu étais esclave. Bah alors. Désormais, tu combats pour les autres. Je t'ai revendu en échange d'un autre Pokémon. C'est horrible quand on y pense. Hein. Oui. On fait des échanges d'êtres vivants, etc. Pour compléter un Pokédex. Voilà. Faut prendre Pokémon comme un jeu et pas comme une réalité. Parce que dans un monde réel, ça ne marcherait pas. Bah là, t'as tous les trucs de protection des animaux qui tombent. Le péta te tombe de sur la gueule direct là. Alors je t'en fous. Moi je peux devenir Terra Crystal. Ok, c'est de la merde. Je peux devenir Terra Crystal Ténèbre. Mais ça ne servira pas à rien parce qu'avec Soisia Sexy d'attache. Je pense que ça Ouais, c'est neutre. Mais au moins ça te permet de. Est-ce que ça marcherait mieux parce que vu qu'il m'attaque avec des plantes, est-ce que ça permettrait des fois de me sauver un petit peu les miches contre les plantes? Ah, contre les plantes? Bonne question. Attends. J'ai appris que mes attaques de feu elles font rien du tout. Je vais tenter, on va voir au pire. Je vois ta vie. C'est quoi, ça serait plutôt de dragon, mais en vrai, ça te permet toujours de. Ah mince! Je peux pas utiliser le Terra Crystal pour l'instant. Ouais, pas tout de suite. Ouais. Bon, faut qu'on accélère parce que là, il a envie de faire très mal. Là. Faut mourir, monsieur. Faut partir là. Ouh, qui a fait ça là? Ça fait beaucoup de dégâts là. C'est vrai? Ah oui, la vache! Je sais pas qui c'est qui fait sa attaque, mais ça fait son effet. Je vais encourager, je vais faire un point d'urgence. Ça sert à quoi encourager? Ça permet de donner des buffs à certains. Ah! Genre là par exemple, je vais soigner tout. Ah merde, c'était une très mauvaise idée. Il m'a one shot. Ça n'a pas du tout marché. Là, j'ai 5 points de vie. Si, ça permet de taper plus fort quand même, mais je sais pas si tu restes Terra Crystallisé. Alors le problème, c'est que là, t'as le temps commence à se rattraper et quand il va arriver un peu plus bas, il va utiliser son truc pour devenir plus fort. Et bah voilà. Ouais, voilà. Ça va pas traîner. Il l'a très vite fait. Oh, c'est chiant que t'as fait ça. Ah oh. Et en plus, il annule les effets négatifs qu'il subissait, bah super. Super efficace, mais ça fait quasiment rien. Voilà, et comme ça, moi, je... Ça lui fait rien les attaques. On va partir de cette live sans jamais en avoir récupéré un seul quoi. Ah non, je refuse. Je refuse. Après, est-ce qu'on essaye dans ta version pour voir? On peut essayer le mien. C'est vrai que celui-ci, il nous fait mal. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas des Pokémon qui sont efficaces contre lui.
Bah si, mais le problème c'est que bah, c'est pas assez puissant quoi. Il faudrait... Ou alors il faudrait qu'on attende plus de gens. Genre c'est que beau. Ça se complète et que ça se... J'ai vu ta transformation. Attention, ça va être la fin. Merci. Ah, j'espère qu'il va pouvoir attaquer avant. Bah, j'ai eu un bug, ton personnage n'est pas apparu. J'avais oui, juste parce que j'avais que sa couronne. En tease, et du coup bah je disparais. Voilà. Ah. Y'a que sa couronne. Attends, qui j'espère que l'attaque elle passe avant. Ah. Au revoir. Oh non. Bon bah on va tenter le tien pour voir. Enfin, est-ce qu'on aura plus de chance? Parce que là il nous, ah, il nous maltraite. Ouais. C'est de la maltraitance. Voilà. Sur enfant. Vous avez été jeté de la caverne. Jeté. Ah bah bravo. On a fini la tête dans l'abreuvoir devant le bar. Ouais. Ça a fait. On n'aime pas trop les gens dans votre genre par ici. Allez hop. Ça dégage. Où es-tu? Je suis à côté de toi et je vais me TP. Voilà. Je vais dire ça. Je vais me TP dans la zone sud numéro 2 qui est à gauche de Messaled. Vas-y, à gauche. Ouais. À gauche. Et normalement, pas très loin. Ouais, juste en dessous. C'était c'est sur Rano. L'autre bleu. Attends, tu m'as dit quelle ville déjà? Messaledo, juste à gauche. Ah. Tu vois le truc acier? Non, descends. À droite, légèrement à droite, à côté du truc acier et du truc poison. Je suis perdu. Messaledo, c'est où ce truc? Remonte. Remonte un peu. Zone sud 2. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ça. Ah, juste. Oh la vache, elle est mal. Ça fait tellement de temps que j'ai pas joué. J'ai essayé de m'y remettre juste pour dire au moins finir le jeu quoi. Oui, c'est ça. Mais là, il y a un autre jeu que j'aimerais vraiment finir. C'est. C'est même pas World Legacy. Que lui, je l'ai complètement mis de côté en ce moment. C'est vrai que j'y ai plus touché. Toujours pas manque de temps, mais c'est. Sonic. J'ai vraiment envie de terminer oui, Sonic. J'étais arrivé, je suis quasiment à la fin, là, je suis vraiment pas loin, il doit me rester peut-être une heure de jeu et j'ai fini, donc je dis, il faut quand même que je le termine. Ouais, au moins pour l'honneur et la gloire. Alors, vas-y, je te suis. Ouais, okay. Je me suis fait agresser. Est-ce que je l'ai au moins lui? Je crois que j'ai pas peur de l'avoir. Ah si, je l'ai. Bon bah, je suis désolé, mais... C'est parti de mes Pokémon préférés. Ah, il était niveau 9, normalement, dans la réalité, il aurait juste dû se désintégrer, s'évaporer par mon attaque. C'est ça. Je te suis. Let's go. Est-ce que c'est le truc tout brillant là-bas? Ouais, c'est ça, juste en face. Ah, il plane plus vite que moi, quoi. Hop. J'ai vu quelque chose. Ah oui, il est mordu d'or. Je sais pas combien j'en suis, mais je prends. C'est 500 ça qu'il en faut, un truc comme ça. 990. Non, c'est taré. Faut arrêter de copier Zelda avec ses conneries. 999, c'était... C'était une mauvaise idée dans Zelda, c'est une mauvaise idée dans Pokémon. Hein. C'est parce que vous changez de deux que ça en devient bonne. Voilà, vous pouvez copier des choses, mais copier les bonnes choses. Oh non, je l'avais pas vu, il était dans les airs. Ah bah c'est bon, vu que je volais, ça a pas marché. Bah attends, c'est que quoi tu. Non mais tu dégages, m'agresse pas. Est-ce que moi je t'agresse? Est-ce que je t'agresse dans ta vie? Hein? Est-ce que je t'agresse dans ton secteur là? Non, je crois pas. Vas-y, non, tu devrais avoir la vie. Hein? Est-ce que moi je t'agresse? Moi je peux t'agresser si je veux. Moi je te balance une Pokéball. Mince, je me trompe de touche. Oh non. Non, c'est bon. Vas-y, Y. Yes. Oh! Oh, c'est quoi ça? Ah, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même, donc il faudrait quand même qu'on fasse le mien si on veut le débloquer. Et ouais, il n'y a que dans ta version que. Je meurs. C'est quoi qu'on le tient là? C'est haut. Il est haut. Il est haut? Est-ce que le malacier ça marche contre l'eau? Bah non, Miascarate ça peut être pas mal. Oui, plante. Ouais, plante simplement, je suis bête. Ah bah voilà, Miascarade. Comme ça, on est deux Miascarades. Et... Très bien. On a la team. Et on va voir. Allez, let's go. La team de théâtre débarque. Le club. C'était quel dessin animé avec le théâtre là même? Il en a parlé dans Peur du Grenier. De quoi? Un dessin animé où ça parle de théâtre, justement. Ah, il y a. Mince, la passion théâtre là.
Oui, ouais, exact. Oui. Pas Léa, pas sur le théâtre. Non, ouais, ouais c'est. Quand tu te vois pas, ça ressemble pas du tout à ça quand tu commences. Enfin, tu t'attends pas du tout à ça. Quand tu le vois, comment ça, je sais pas, on s'appelle, ouais. C'est machin, la place sur le théâtre. Oh, il est beau! Bon, on dirait un peu un lézard et tout, donc c'est vrai que le vrai Sukun est quand même plus stylé. Mais il fait oui, un peu esprit. En vrai. Ouais, je préfère le vrai quand même. Qu'est-ce que je vais te foutre dans la tronche, toi? Magie florale, là. Ah, les magies florales. Ah, bah tout de suite, ça va mieux avec un autre niveau. Je sais pas ce qu'il m'a fait, mais. Ah, l'attaque, d'accord. Ah, l'attaque spéciale, il est tout baissé. Sale bête. Fais voir si je te fais ça, moi. Bizarre, je pense. Alors, il va quand même falloir qu'on accélère. Hein, parce que. Oui. J'hésitais à lui lancer tempête verte, j'aurais peut-être dû. Et si il descend notre attaque à fond, ça va nous poser problème. Hein. Merde, j'en prie, je viens de faire un visage justement pour monter mon attaque, mais ça sert à rien. Je vais nous en profiter pour attaquer. C'est pas honte, après, c'est vrai qu'ils sont bons. Alors, pardon. Bah, c'est. Celui-là est un peu controversé, enfin, le Sukun, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Moi, je t'avoue que ça reste cool, du coup, je l'aime bien, mais. Ouais, il est cool, mais c'est vrai qu'il y a. Il fait vraiment un démon de l'eau, quoi. Ouais, ah, d'accord, ok, rapide, bah bon, tu es un Pokémon d'eau, ne balance pas des flammes. Il m'a cramé. Ah, oui, parce qu'il a le dragon. Il est beau, dragon. Moi, je me suis embêté pour mettre, à utiliser la motivation là pour mettre de l'attaque. Oh, merci. Mais dans la foulée, il m'a. Et comment ça fait que d'un coup, là, j'ai envie que le temps il est descendu vachement vite. C'est quand tu meurs, ça descend, je crois. Ah oui, mince. Non, flamme, effectivement. Ouais. Le problème, c'est que là, il va commencer c'est pour à ça se qu'il charger. Galère avec eux. Ouais, mais on a réussi à le mettre back mid-life. Là. Ah mince, ah, ça y est, utilise son truc. Ah là, il va falloir qu'on accélère. Ouais. On peut terrac ça. Bon, au bout d'un moment, on peut jouer aussi, parce que c'est bien beau, mais. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment n'importe quoi, par contre, les. Les comment ça s'appelle les raids parce que on comprend pas qui prend ils auraient gardé le tour par tour parce que c'est ça c'est... Oh, ça lui enlève plus rien ça y est et franchement c'est chaud on lui enlève plus rien. Je terra oh non il m'a lancé sa flamme je vais redescendre que je vais encore mourir flamme fatale flamme doudoune. Oh la vache, est-ce qu'on s'est blessé d'un coup? La vache! Ouais, oh, ouais, il faut pas mourir en fait. Il rigole pas. Ouais, il veut pas mourir. Hein. Oh la vache, quand ça, on a plus de temps, ça y est, je suis mort, ça nous a viré une barre pas possible. Il y a pas moyen de gagner. Il devrait y avoir un truc, c'est pour s'encourager à remettre du temps en fait. Oui, oh voilà, c'est fini. Ah mais là, c'était chiant quoi. On avait bien démarré pourtant. Allez, attaque. Bon, c'est histoire de dire que j'ai attaqué, quoi. Ça sert à rien, mais. Mais réellement, le Dead Terra Crystal, est-ce que ça améliore notre puissance? Est-ce que ça nous rend plus puissant? Ça change juste notre style, c'est tout. De quoi de. Ah bah. Quand on est Terra Crystallisé, ça augmente pas nos stats? Non, mais ça augmente tes dégâts, les dégâts que tu fais. Ah bon? Ouais, ah, tous les dégâts que tu fais sont augmentés. Et ah, si jamais pas. c'est une même attaque du type Terra Crystal, bah c'est encore plus augmenté en fait. Ah, je ne savais pas. Bon, par contre, qu'est-ce qui se passe avec communication? C'est pour ça c'est toujours intéressant de Terra Crystalliser pour faire plus de dégâts. Mais celui-là, on y était presque. Hein. En vrai, je pense qu'il y a moyen. Ouais, je pense aussi que celui-là, il est déjà plus réalisable déjà. Ouais, alors que l'autre, par contre. Vas-y, je te s'accrocher. Hein. Je te laisse revenir et puis on va retenter notre chance. Ouais. Ah, c'est un bonhomme. J'ai cru que c'est un Pokémon au loin, mais non, c'est un bonhomme. Ici, ce Pokémon. Et puis on va reprendre le fameux fais l'arbre. Ah, vas-y, fais l'arbre. Hop, je te suis. Deux fais l'arbre.
J'aurais fait si je disais autre chose, mais non, j'ai rien d'autre pour l'attaquer. Que l'acier, ça lui fait rien en plus. Que si j'avais l'acier. L'acier, non, je crois pas. Sur l'eau. Ça fera juste rouiller, quoi. C'est ça. De l'acier rouillé. De l'acier trempé. Est-ce que je regarde vite fait, hein. Ouais, faible face à l'électrique et aux plantes. Résistant au feu glace. Ouais. Peu efficace sur les types dragons aux plantes. Très efficace sur feu roche sol. Mais il n'y a pas. Donc c'est acier, normal. Résistant au type acier, pardon. Résistant au type acier. Je regardais pour la première génération. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est mieux vaut ne pas mettre de trucs acier. Non. En fait, c'est son attaque de feu là qui casse tout. Qui est relou, ouais. Ouais. Parce qu'à cause de cette attaque là, en fait, eh ben, il nous fume à chaque fois. Le top, c'est si on avait pu avoir. Mescaram là avec un cristal terre cristal haut. Oui. Là on serait royal. Là on serait royal. C'est très marrant parce que quand je regarde sur quand je regarde le live, t'as mis les mêmes lunettes noires à ton perso. Et donc du coup à chaque fois je crois que c'est moi et en fait. Donc le plus efficace c'est quoi ça? Est-ce que ce serait tempête florale ou est-ce que ça serait Magie florale c'est mieux que tempête à chaque fois. Ouais. Tempête verte ça te baisse. Ah bah d'accord, okay. Ok bah direct il m'a one shot. Ok bon bah on va déjà perdre du temps. Oh merde. Bah balancer directement une attaque. Ah oui non mais c'est même pas que tu perds du temps. Attends, ça te paraît une barre terrible. Les premières attaques il me balance des flammes donc on n'a pas eu de chance sur. Ouais. Ah ouais, en fait, lance-flamme. T'as quand même une part de chance quoi. S'il fait beaucoup de lance-flamme, t'es niqué. S'il t'en fait pas, tu peux survivre quoi. Ouais, je lève rien du tout quoi. Oh, toi par contre, tu l'as enlevé beaucoup. Ouais, j'ai fait. J'ai aiguisage sur mon mascarade. Du coup, ça augmente mon attaque. La problème, c'est que vu que t'es mort, ça nous enlève encore pas mal de temps. Ouais. Où est-ce que. Comme je meurs. Terrible. Ouais. On n'a pas eu de chance sur cette celle-ci. Il nous a attaqué directement violemment donc. Ouais, c'est un peu triste hein. T'as une part de chance qui rentre là-dedans. La magie florale hein. Et limite quand il balance de l'eau, tu devrais reprendre de la vie. Oh non, je me trompais de touche. J'ai mis un truc nul. Ouais, non, qu'est-ce que t'as fait? J'ai balancé un truc nul, enfin une attaque moins puissante. Feuille magique. Ouais. De toute façon, à mon avis, c'est mal barré. De toute façon, on a des dégâts. On a perdu. Je sais pas si on a pas eu de chance sur celle-ci. Oui. Si je peux, Terra. On va Terra cristalliser. Le problème, voilà. C'est que la Terra cristallisation perd du temps avec l'animation et tout. Moi, je suis encore mort, donc la barre elle va tomber direct. Hein. Allez hop. Ça a été très rapide ce combat. Ouais. C'est triste. Oh, ok, moi le Sukuna a disparu. Ah c'est bon, il est réapparu. Ah voilà, j'ai perdu la moitié du temps juste pour faire un cristalliser. C'est terrible. Quand t'as pas beaucoup de temps, bah. Ça, mais je tiens un lance-flamme. Hein. Il me one-shot pas sur lance-flamme. Ah moi il me tue direct, il y a même pas. Il y a une hésitation, il me regarde, il fait meurs. Soit tu vis, soit tu vis, soit tu meurs. Ah bah complètement. On l'avait presque pété sa barre de cristallisation là. Ouais, mais c'est que la première essai, on a plus hein. On a réussi à lui enlever. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ah oh, on avait réussi. Mais c'était sur la mais là, ouais. J'avais réussi à là, on a une dernière attaque. Vraiment pas de chance hein. C'est la faute à pas de chance. C'est le jeu ma brave Lucette. J'ai envie de faire monter Mescaram avec des trucs d'XP juste pour essayer de le faire monter pour que je puisse tenir un lance-flamme quoi. Ah tu pourrais effectivement. Donc, en fait ouais, c'est le fait qu'il me tue direct en fait ça fait mal quoi. Ça fait mal ouais. De vivre sans toi.
C'est en quoi c'est dans là-dedans. Bonbon L. Elle a mal, tu n'imagines même pas. Attends, j'ai plein de XS, là, vas-y, je veux en utiliser. Combien il t'en faudrait, mais est-ce qu'il y a... Je vais mettre fin direct. Ça lui a rien donné. Et si j'utilise ça, parce qu'on est là pour faire du beau jeu. Et pour... voilà, pour que vous ayez des étoiles dans les yeux. Salut Inoshina, merci pour ton follow. Hey, oui, merci. Ah, est-ce qu'il faut lire le hop. 0 72, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut marcher? Bonne question. Ouais, je vais utiliser encore, allez, encore 3, allez. Allez, niveau 73, alors on tente. Le 0, c'est un O. C'est bien ça. Donc il faut bien le dire, c'est bien ça. Ino. Ok. Tain, bah tiens, pourquoi Inoshina, ça me pensait à ça. Je me suis amusé à écrire le prénom des enfants et de Déborah ça en katakana. Oh. Et ben, Déborah, c'est très beau. Comment s'écrit. D'accord. C'était pour histoire de gruger le petit 0 qui passe bien. Ah, c'est déjà pris. Okay. Ouais, problème. Donc le petit 0 qui passe bien. Et... Mais oui, alors que Thomas et Romy, et bah, tu vois, c'est finalement, bah, c'est très simple. C'est deux petits symboles. Je crois pas que tu m'as dit les noms, mais je me rappelle plus. Hein. Mais... Oui. En fait, ça change rien du tout. Vraiment. Et, c'est vraiment de moi, j'ai deux syllabes, Thomas. À la rigueur, Romy, ce serait plus Lomi avec un L plutôt que. C'est ça. Ça ressemble plus comme ça. Alors que Thomas, moi, c'est vraiment T-O-M-A en fait. Attends, je vais tenter avec lui. Et même. Ah bah sinon, ça va. Nous, on essaye de. Comme on peut, d'essayer de capturer ces Pokémon pour l'instant qui nous tiennent tête. On se fait rouler dessus à chaque fois, mais on a presque celui-ci. Mais le problème, c'est que Mio a un très bon niveau avec ses Pokémon, alors que les miens, ça fait un mois que j'avais pas joué. Donc, ils ont un peu plus de mal. Je suis un frein. Je suis un frein pour toi, Mio. Non, quoi que sur celui-ci, on a plus de facilité quand même. Le premier round, c'était... Ah, le mien, pour l'avoir, ça va être compliqué, parce que qu'est-ce qu'il est costaud. Ah, il est dur. Vraiment très très dur. Mais là, je change... Bah, Mio est pareil en fait, Inoshina, il essaye de remplir son Pokédex, donc moi je suis plus là pour me faire plaisir, alors que lui c'est vraiment un fan, et lui il a la course au Pokédex. Un peu comme toi là, c'est son objectif du moment, c'est de le remplir à fond. Donc dès que je peux lui filer un Pokémon, et en parler, pas que j'oublie avant la fin de donner des Pokémon que tu n'as pas. Oui, s'il vous plaît, des Pokémon. Ça me fait bizarre. On dirait d'insecte. Des Pokémon. C'est un peu ça, hein. Est-ce que je peux faire des actes? J'aurais dû utiliser même des trucs, c'est pour monter mon attaque et tout. C'est juste pour avoir celui-ci. Ah bah oui, c'est vrai. Hein. Alors pour l'instant, ça va. Mais ça j'ai regardé. Donc 7 est un peu étrange, je sais pas. Ah bah elle est déjà morte, merci, au revoir. Oh non. Et toi, t'es plus à cheval sur moi sur le 7, etc. Moi, je prends juste des Pokémon parce qu'ils me font rire. Ou là, je vois ce que j'ai dit, je veux juste faire des Pokémon Power Rangers. Exact. D'ailleurs, j'avais proposé des. Certains Pokémon pour les forts. Forcément, c'est tout. Mais moi-même, je me souviens plus. Ah oui, tiens, il y a Inoshina qui propose de nous aider sur le raid après. Ah oui, bah on veut bien. Ouais. Un peu d'aide ne sera pas de refus. C'est clair. Si t'as le niveau pour venir nous aider, n'hésite surtout pas, parce que on a besoin d'aide. Ouais. Parce que le problème, c'est que j'ai un Pokémon qui tient bien, il tank bien, mais il fait pas de dégâts. Alors que tout à l'heure, tu faisais quand même des beaux dégâts, donc c'était bien. Alors que là... Bah, je tiens pas beaucoup. Mais ça nous fait gagner du temps. Moi, mes dégâts ont bien augmenté quand même depuis tout à l'heure. Je faisais beaucoup moins de dégâts. Donc comme quoi, avoir monté 4 niveaux, c'était pas rien.
c'est pas rien, effectivement. Oh la vache, cette barre qui me stresse. Ah moi je me Terra Crystal pas. J'ai pas tous les Pokémon level 100, je pense que j'ai toi et les méthodes. Que c'est toujours, sera toujours mieux que moi, c'est sûr. Ah bah écoute, bah moi non plus, hein. J'ai qu'un Pokémon niveau 100, c'est le... Bah c'est le petit que je t'ai montré tout à l'heure. Moi actuellement, on doit faire un combat en fait avec Nioh, et le problème c'est que si on fait un combat aujourd'hui, bah il me roule dessus complètement. Je résiste au lance-flamme. Ah bah voilà, je peux t'en prendre un. Ouais. Ça c'est cool. Là, je mets tout ce que je peux. Hein. Mais là, je crois que c'est la fin. Là, au revoir. Adios. Ah, on voulait faire des. En fait, on voulait faire un solo parce que Nioh en fait a un let's play en cours, enfin même plutôt un narratif que tu es en train de faire. Et en fait, exact. Il a besoin de moi pour faire des affrontements. Mais le problème, c'est qu'il a des. Mes Pokémon sont plus assez, ne sont plus assez hauts. On a commencé, j'étais au-dessus de lui, et puis maintenant, il est bien au-dessus de moi. Oui. Ah oui, t'étais devant pendant très longtemps. Hein. Ouais. Oui, donc et si oui, on veut. En cours d'écriture. Voilà. Si on veut que le narratif ait quand même un peu d'intérêt, il faut quand même qu'on puisse faire des affrontements qui tiennent la route. Quoi. Parce que si on arrive à moins d'attaques que tu me tues, bon. Ouais, c'est pas intéressant. Pour nous rejoindre, comment que ça se passe? C'est toi le pro de la Switch Alors sur Pokémon, je sais pas trop. Je crois qu'il faut juste que tu donnes le code. Le code pour rejoindre, je crois, peut-être le groupe. Pour le groupe, je crois. Le code que tu m'avais envoyé. Je vais mettre sur le chat mon code ami, peut-être. Peut-être. Le code d'ami ou le. Tu sais, moi j'ai le code. Tu sais que tu m'as envoyé là le code pour rejoindre le groupe Pokémon là. Pour rejoindre le club Uni. Ouais, le club. Je pense que je sais pas si ça fonctionnerait. Ça fonctionne directement avec ça. Non, parce que. Enfin, si ça fonctionnerait avec ça, mais le problème c'est que je suis obligé de dissoudre. Moi je viens de commencer le VGC et c'est bien mieux après un petit combat solo de temps en temps, pourquoi pas. Ah, le VGC, bah tu sais que je viens d'y mettre aussi. J'ai participé, je sais pas si tu as participé aux deux. Comment ça s'appelle? T'avais fait les tournois là. Il y a eu deux tournois, oui, ouais, les tournois. Il y en a eu trois même. Il y a eu trois tournois sur les trois week-ends. Mais j'ai pas fait tout parce que. Le temps que tu trouves, je fais un combat. Ok, vas-y. Vas-y, continue, quand je te laisse expliquer. Mais j'ai pas fait le dernier parce que. C'est juste trop évolué, qui n'est pas terminé. Quoi. Bah j'ai vu sur ta chaîne quand t'as mis la rediff là récemment de ton deuxième tournoi. Et c'est vrai que voilà, y a des mecs qui sont des niveaux ils sont quand même pas mauvais. Mais rassure-toi, moi aussi hein, je fais ça vraiment pour rigoler. Et oui, il y a des gens qui sont vraiment, comme tu dis Thomas, il y a des gens qui sont vraiment juste trop au niveau et je me suis fait rouler. Ouais. Je te mets mon idée dresseur avec le nom. Pour l'instant, moi je maltraite un Evoli. Bah, logging. Est-ce que si je le logging. Ah, alors je peux pas t'envoyer le. Ah, mais les mecs sont hyper chauds. Oui, les gars sont hyper chauds. Tu sais quoi, je vais lancer le raid. Normalement, tu peux rejoindre depuis la recherche de raid. T'es sûr? Oui, normalement tu peux. Si je mets partir à plusieurs. C'est possible. Je vais changer de Pokémon. Vu qu'on est normalement, si on est en communication, je crois qu'il y a peut-être que moi, vu qu'on est sur un groupe. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas. Je pense que les gens peuvent rejoindre. Parce je sais que pas. Parce que... Ouais, mais après, quand j'actualise, j'ai que le tien. J'ai pas ceux de tout le monde. Ah oui. Ouais, j'ai que le tien de raid qui apparaît. Partir à plusieurs avec code. Ouais. Ah, alors attends. Il y a ça. Apparemment, oui. On découvre le jeu, quoi. C'est genre. Oui, non, mais. Alors. J'ai que partir à plusieurs, en fait. T'as pas un truc avec code?
Un petit anglais quelque part. Après, je sais pas, comme vous êtes en Club Union, oui, c'est ça. En fait, on sait pas si. Ouais, c'est ça. Vu que c'est en Club Union, à mon avis, c'est pour ça. Donc, il faudrait. Qu'en fait, tu peux mettre un code, il y a marqué mot de passe, et à mon avis, c'est quand t'es pas en Club Union. Ouais. Donc, en fait, il faut voir si. Si on te donne le code Union, normalement, je pense qu'il faut juste qu'il aille se connecter et puis il nous rejoint avec le code Union. Il sera automatiquement mis dans notre session. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ce qu'on va faire, ça sera nettement plus simple. Et tu. Normalement, t'as pas besoin de le dissoudre, je crois. T'as juste, juste le code, ça devrait suffire. Parce que moi, ça me met des verrouillés après. Je te donne le mot de passe, écoute. Ouais. Parce que sinon, si à chaque fois que tu dois dissoudre un truc, c'est un peu bête, quoi. Donc. Après, Nintendo et. Il faudra que tu l'envoies, Thomas, ou alors je le dis à l'oral. Attends, soit je vais l'avoir. Si je fais. Non, tu vas voir. Pourquoi tu peux l'envoyer ? L7KHB, parce que je peux pas me connecter sur. Voilà. Merci. Voilà. Ah oui. Bah, c'est bien, quoi. Twitch. Comment ça se fait ? Comme t'es déjà quoi dessus. Bah pourtant des fois quand t'es en live, moi je viens, j'arrive, je peux venir parler avec toi. Bah oui, bah attends. C'est quoi Star Trek ? T'as été rétrogradé. C'est ça. Ah, je regarde, tiens, oh encore un petit Lucario. C'est un peu curieux ce que. Oh des bons points. J'aimerais bien voir pour pendant qu'on fait ça, juste améliorer qu'est-ce qui serait bon pour l'autre raid. Qu'est-ce qui pourrait faire mal. Impossible de rejoindre. Le plus simple c'était Malvala, le plus puissant pour l'autre combat. Oui. Après Dracofeu il sera pas forcément bon. Dracofeu, Dracola je veux dire. Dracola. Non attendez. Donc il faut en fait, je suis bien obligé de. Bien dissoudre, tu vois, c'est ce que je te disais. Pourquoi ça me surprend pas venant de Nintendo ou Pokémon où ils ont vraiment problème avec ça là. Ah mais quand on peut faire simple, ils font compliqué. Genre c'est. Alors, du coup je crée un club. Ouais. Création d'un club en cours. Mot de passe, c'est parti. Il faut juste que je veux me TP et là. Attends. Pour quel raid le Dracofeu? Non, on va faire le raid Serpento. Et si on réussit rapidement, Vert de Fer. Ouais, le but serait d'obtenir les deux. Envoyer le code Thomas et je vais envoyer le code. Rejoindre un club. Ouais, j'attends que tu rejoignes avant de le balancer dans le chat. Bah en fait, tout le monde le voit parce que je suis en train de le taper à l'écran, donc forcément. Oui, mais du coup, c'est ouais. Le suspense, tu vois. Oui, c'est vrai. Toi, tu le sais avant. Recherche en cours. Okay, vous avez été trouvé. Et le voici. Ouais, n'hésitez pas. Inno, c'est parti. Si jamais il y a une personne qui veut rejoindre aussi pour me filer un coup de main, mais pas pour troll, je sais pas si j'attends un petit peu. Allez, 10, tu en a... 9. Tu en a qui veut 8, venir pour. 7, 6. Pour tout péter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonne année! Ah non! Allez, ce coup-ci, voilà, on peut pas perdre. On peut pas perdre. Là, normalement, on doit tout péter. On est trois vrais joueurs contre trois. Ah, c'est la première fois qu'on joue à trois. Hein. Oui, bah c'est exactement ce que j'allais dire. C'est la première fois qu'on joue à trois. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est une expérience. Hello. Et le porte. Yes. Du coup, mon raid. On commence par. On te suit. Vas-y, on te suit. Comment ça fait qu'on s'est TP ici ? Je sais pas. Zone sud numéro 2, du coup, encore. Zone sud numéro 2, il faut aller. Ok. Ouais. Oula. Paru, ouais. Ah oui, faut pas. Oula, je suis pas là. Pas trop loin, là, ouais. Ici. Tout en bas, non. Descend à gauche. Ah, j'y suis. Ouais, bien, ouais. Oh non, j'ai fini ma boisson. Jouer. Oh non. Tu sais, en fait, depuis ma vidéo Oli, là, que j'ai fait le test.
Oui. Bah, j'en consomme tout constamment quasiment. Ah, est-ce que tu n'avais pas compté de ne pas en consommer constamment? Bah, j'avais pas prévu en fait, finalement, d'en consommer comme ça. Et finalement, bah, j'ai repassé commande, etc. Et c'est pas mal, enfin, c'est très bon en fait. Leur thé est super bon. Ah, c'est le thé que tu bois. Bah, même les boissons énergisantes, hein, j'en ai pris aussi maintenant. Parce qu'il y en a qui sont vraiment, le goût est vraiment terrible quoi. Et c'est vrai que quand t'as un petit coup de barre, bah, ça passe quand même bien. Même si j'en bois pas plus que ça, j'en bois une de temps en temps. Ouais. Et surtout quand j'ai envie d'avoir un petit coup de motivation pour. Surtout pour aller courir. Ça me met un coup de punch. J'ai la flemme. Mais comme j'ai mis sur ma chaîne, ça je l'ai rajouté récemment. Ouais. Pour que les gens ne pas confondent boisson énergisante et boisson énergétique quoi. C'est bien deux choses totalement différentes. Parce que il y en a une, c'est en fait pour le sport, ça t'apporte les nutriments, etc. Les minéraux qu'il te faut pour faire du sport et pour pas que tu te sentes mal, alors que l'autre c'est vraiment juste pour donner un coup de punch et c'est souvent bourré de sucre et de caféine. D'accord. Oui, c'est donc du coup ça c'est pas terrible. C'est pas du tout la même chose quoi. Par contre, les boissons énergétiques en général, pareil, il y a du sucre, il y a beaucoup d'apports aussi, donc il faut consommer les calories que ça t'envoie quoi. Que c'est blindé justement de calories pour te donner l'énergie quoi. Mais en tout cas voilà, Oli, maintenant je recommande et c'est très bon. Leur thé, autour de moi en tout cas, le thé il a marché sur tout le monde. En fait il fait beaucoup plus naturel. Que t'as vraiment le goût du thé et après t'as le goût du fruit. Attends par contre, Ino il est pas encore arrivé. Ouais, si c'est bon. Enfin il ou elle, je ne sais pas. J'ai dit ça, mais vu qu'on ne sait pas. Ça va. Après, c'est un avatar. Masculin. Ouais. C'est ce que les. Moi, je suis parti dans l'idée, ouais. On pourrait dire une personne. On pourrait dire une personne. On pourrait dire il. Il, ok. Voilà, c'est bon, on a notre réponse comme ça. Allez, comment faire cette fortune. C'est un il. Félicitations. 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 Trop de conneries pour 22h30. J'ai pris j'avais pris de quoi faire beaucoup de sport, etc. Donc je suis blindé de trucs énergisants encore aussi là. Que j'ai un coup de mou et surtout pour la journée que j'ai eue chez au boulot là. Et finalement bah, j'ai trop d'énergie maintenant là. Ça va la team mascarade. C'est ça. Les trois, trop bien. Tu ne peux nous résister. Est-ce que ça fait comme dans Le Roi Lion, tu sais, les hyènes? Il y en a un qui est débile, un qui est intelligent et l'autre qui est. Je peux être le débile. C'est ce que j'allais dire. Bon, allez, je peux être le débile. Ouf, ça fait quand même mal. Ouf, ça. Ouh. Allez! Ah, ça descend. Bah, ça descend plus que ça ne remonte. Ouais. C'est bien. Par contre, je suis déjà mid-life, ça c'est pas cool. Ah oui, effectivement. Effectivement, c'est même mort. Ah, mince, je viens de le. Bah non, ça. Bah, je sais pas, je ne le savais pas encore, tu vois. Je ne sais pas, mais tu es déjà mort. Tu ne savais pas encore, mais tu es déjà mort. Bah, toi, j'étais pas au courant, tu me l'as appris. Oh, par contre, non, mais attends, comment ça a descendu mid au niveau du temps. Oui, alors moi, mon jeu est un peu bugué. Genre, abusé quoi. Je peux pas l'attaquer. Bah, en fait, t'es mort. Mon écran est bloqué. En fait, t'es mort, c'est pour ça aussi. Mais tu ne le sais pas aussi. C'est pour ça. Toi aussi, tu ne le savais pas. Et franchement, le temps il descend tellement vite. Mais je vois, c'est la première fois qu'on est en galère sur un terrain cristal. Ça n'était jamais arrivé jusque maintenant. Ouais, pourtant il est que niveau 5, hein. Il est pas niveau 7 ou quoi que ce soit. Ouais. Et en plus, on utilise. Pourtant, on essaie quand même d'utiliser des Pokémon qui ont l'avantage, quoi. Même malgré ça. Bah, j'ose pas me terrestrialiser parce que j'ai peur de.
de la suite. Ah, je sais pas ce qu'il t'a fait, mais. Oh mince, j'ai voulu. Mais je suis mort. Tu vas taper, oui. Ah mince, c'est encore mort. Bah, à mon avis, ça va être fini. Le temps, il va. Ouais, ça va être fini. Hein. Oh, c'est chaud. Comment il fait pour nous rouler dessus à ce point? Ah, je vais tromper la tête là. Même comme ça, on n'y arrive pas. Pourtant, on a eu un... la meilleure partie, finalement, c'était la première qu'on ait faite. Hein. Ouais, mais je comprends pas. Pourtant, au début, on était bon. Et là, maintenant. On n'y arrive plus. Et là, on n'y arrive plus. Ah, quel dommage, on est si proche. Et par l'équilibre, oui. Ouais, bah si, s'il fait des attaques dans tous les sens, forcément, on n'a pas le temps de. Enfin, le temps de s'arrêter. Bah oui, c'est, oui, c'est, oui, c'est ça, en fait, parce que tu comprends pas à quel moment en fait, on peut jouer et à quel moment on va jouer. Oh là là, après... quel dommage, on va être si proche. Ah, mais non! Si et proche. Je crois qu'on est plus proche que. Ouais. Que la première fois, hein. Ah, bah, je crois qu'il va avoir un super. Tac! Ah, il est mort! Et est-ce que ça, ça calcule qu'il est vaincu ou pas? Parce que le temps était moi, fini en fait. Yes! Oh oui! On a réussi! Oh oui! Oui! À l'attraper. Oh non, j'ai plus d'honor ball, quel dommage. J'aurais voulu mettre dans un honor ball. Capsule d'argent. Mais tu auras une Pokéball simple parce que c'est les plus classe. J'avais regardé pour acheter une Pokéball. C'est vraiment une belle reproduction là, ça coûte 101 centaine d'euros. Et j'ai regardé vraiment pour celle de base. Mais je me suis dit après je me connais, je vais commencer à acheter ça si je vois les autres, donc je préfère pas prendre le risque. Ouais. Pas tant que ça, hein, il... non. Allez, on l'a eu sur le fil. Oui, sur le fil du fil. Hein. Attends, parce que maintenant il faut qu'on aille voir le mien. Et lui aussi, il est plus dur que celui-là. Il nous fait plus de dégâts. Où es-tu? Alors sachant que donc il est type ténèbre, c'est ça le non, psy. Please, psy. Je crois que c'était zone est numéro 2. Hein, si attends, c'est ça. Que j'étais parti à pied. Ouais. C'est à pied. Ouais, zone est numéro 2, c'est ça. C'est lui-même. C'est... Allez, si on arrive à l'avoir, c'est bon, ça sera fait. Pyro a capturé un Serpento. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Et pourquoi je vais remettre de la vie, y a pas besoin. Et sachez, je viens de découvrir ça maintenant, mais sachez que si vous avez déjà capturé Serpento la première fois, lors des premiers raids, vous ne pouvez pas le recapturer. Ah, tu peux l'avoir qu'une seule fois donc. On peut avoir qu'une seule version. Oh, c'est dommage. Bien, pas... que, au pire, t'aurais même pu l'échanger au pire contre un. Contre le verre de fer. C'est quoi, verre de fer ça? Bah oui, verre de fer, effectivement. T'aurais pu faire un échange quoi au pire. Ouais, mais bon, comme tu peux participer à tous les raids Terra Crystal, ouais. Du coup. Eh, monte pas sur le cristal. Partir à plusieurs. Oui. Alors, moi, le seul qui était bon contre lui, c'était donc Malvalam. Donc, on va retenter ça. Une capture, ouais, exact. Serpente d'eau, ça y est, je l'ai. Est-ce que Serpente d'eau est fort contre lui? Est-ce que finalement l'un n'est pas l'adversaire de l'autre? Je ne sais pas. Bonne question. Moi, donc, ouais, donc Inoshina, il peut plus les revoir. C'est bon. Enfin, donc, écoutez, j'ai une question. À combien il est ton Pokédex? Ah oui, combien de Pokémon il te... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a celui-là. Ça m'intrigue de savoir. Oui, parce que toi, Thomas, t'as pas fini avec les pieux aussi. Avec les... Ah non, j'ai pas fait les pieux encore. Non, je les ai pas fait encore. Moins 150. Non. Ah. Moi, j'ai à 239 là. Mais encore, je capture. Pareil, au départ, je capturais tout et maintenant, je capture quasiment plus rien. Il faut peut-être que je m'y mette. Attends, c'est lequel son Pokémon? J'ai jamais vu. Ah ah. Oui. Bah, oh, c'est quoi celui-ci? Je connais pas du tout. C'est des pieux. Il est trop stylé. Faut que tu fasses les pieux. Ah bah je vais faire les pieux. Mais toi, heureusement que tu me le rappelles, j'avais complètement oublié les pieux et donc je les aurais même pas fait. Parce que...
Heureusement qu'Ino est là parce que moi aussi j'aurais complètement zappé parce que c'est vrai que je l'ai fait. Mais... Ouf, ah oui, bien. Zach, ouais, j'avais complètement zappé qu'il y avait ça et pourtant j'aurais trouvé un bon paquet. Ah, il m'a one shot, non mais sérieusement. Non, moi je t'avoue que pour les pieux j'ai un peu triché, hein, t'as regardé sur le net. Je sais qu'il y en a deux où j'ai réussi à tout avoir, deux zones où j'ai tout eu. Ouais. Oh bah ça va, ça descend pas trop mal. Oh, mais c'est vachement plus rapide, hein. On aurait dû te recruter plus tôt. Hein. Ouh, ah par contre il m'a one shot un peu. Ouais, en fait, c'est pareil, en fait, moi je sais avant toi que tu t'es fait battre, et toi tu le sais avant moi, c'est trop bizarre. Oui. C'est trop bizarre. On vit dans le futur. Ouais, là t'es mort, là, par exemple. Là, je reviens, ça y est. Hop. Là, tu reviens. Et on est avec Patrick. Enfin, moi je suis avec Patrick. Toi, tu es assis avec Patrick. Allez, il faut mourir, monsieur. Là, il faut... Non, mais fais pas mon. Il me refait à chaque fois la même attaque et je meurs d'un coup. Hop, je reviens direct. J'ai pas encore joué hein, depuis, depuis le début. Hein. Tu sais, je. Oh non. Tu es spectateur du jeu. Ah oui. Tout à l'heure, ça me tuait pas d'un coup, donc comment ça fait que l'attaque me bute en un coup? J'ai rien changé dans mes stats pourtant. Bonne question. Ouais, pire, j'essaierai avec un autre. J'essaierai peut-être avec un autre alors. À moins qu'on arrive à l'avoir, mais à mon avis là. Et encore une fois, il m'a encore battu. Dès que j'arrive sur le terrain, il me bute. J'ai été spectateur de ma vie. Ouais, il perd l'énergie accumulée. Ouais, Bah écoute, je sais pas ce qu'il fait un autre. En vrai. Je vais essayer de changer parce que là, j'ai pas compris. En plus, c'est même pas des attaques. C'est super efficace ou quoi que ce soit, quoi. C'est juste, il bute. Ouais, oui, c'est terrible. Il faudrait un ténèbre peut-être, qui soit de haut niveau. J'ai pas il est plus difficile que Serpentot, ok. D'accord. Mais oui, t'as vu, il est compliqué, hein. on a vraiment du mal sur celui-ci. Hein. Pourtant, au début, ça allait bien, là. Ça commençait super bien. Je sais pas si, en vrai, je remets fait l'arbre, parce qu'il est plein de ténèbres. Donc, sinon, après, j'ai qui d'autre. J'ai regardé qui j'ai, sinon. En fait, j'ai trop envie de tester, savoir si. Est-ce que Serpentot, finalement, est une faiblesse pour lui. Genre, c'est dans l'autre sens. Serpentard. Il y a Serpentot et Serpentard. Ça m'intrigue. Dracolos, niveau 69. Ouais. Pourquoi il m'a foutu dans la boîte numéro 16 15 ouais, je comprends. Ah, là, je sais pas lequel prendre. Là, je suis. Ça m'intrigue de savoir, mais. Tu m'as dit ténèbres. Hein. Mais j'en ai pas de ténèbres. À la rigueur, j'ai un ténèbre acier, moi. Ouais, bah là, je sais pas du tout lequel prendre. Hein. Parce que tout à l'heure, ça marchait bien avec, donc j'ai voulu retenter, mais là, ça marche plus du tout. Ectoplasma, il est trop faible. Il est de niveau 51, donc je vais me faire rouler dessus. Et tous les autres sont trop faibles. Clairement, j'ai amélioré personne. Donc, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu pourrais me conseiller. Bah ouais, à part ténèbres. Bon, pour l'instant, je vais reprendre celui-là. C'est juste essayer de survivre, en fait, pour pas vous ralentir. Ah, t'es toujours pas avec nous. Ah, pardon. T'as plus qu'une minute trente pour venir. Dépêche-toi. Le temps alors, tourne. Attends, parce que... Tic tac tic tac tic tac tic tac. Attends, comment on fait? Poké portail, vite, oh mon dieu, c'est le stress. Oh, le temps passe. Dans mes bruits de pêche, en train de. Non, arrêtez! Pas ça! Ah, t'as mis combat dragon. Je pense pas que ce soit une très bonne idée parce que le combat est. C'est vrai? Les portes se ferment, yo! En fait, j'ai rien d'autre réellement. Après, garde-voir, je pense qu'il va risque de me la tuer direct, quoi, parce qu'elle est psy-fée. Donc, à la rigueur, Miascarade. Miascarade, tu penses? Miascarade. Alors, tente. Qui est de type plan de ténèbres. Et je vais faire la même chose que toi, d'ailleurs. Avec flotte mèche. Bah là, c'est vrai que le tien, il faisait énormément de dégâts, donc ça marchait.
Alors, tu t'as fait plus de dégâts que ce qu'on a eu depuis le départ, donc. Oui, effectivement. T'es, tu as un apport non négligeable. C'est ça. En termes de dégâts. Vas-y, c'est bon, je suis là. Ah mince, j'ai oublié de commencer le raid. Non, parce qu'on t'attend quand même. Ouais. Oh. Et en plus, c'est un des Pokémon de ma team. VGC. Oh là là. Floatmèche, c'est incroyable comme Pokémon. Très puissant, trop puissant. Bah, j'ai envie de voir ça alors. Oh, mais suis-je bête! Quoi? Il y a. J'ai. Pyrax. Qui ça? Pokémon. Pyrax. Alors, viens voir. Oh, intimidation de Tauros, mais c'est génial! Ça sera déjà. Ça sera un plus, on va dire. Alors, c'est parti. Donc là, attaque de type ténèbres. Tu vois. J'ai. Boum. Oh là, ça marche bien, ça. Ah bah, ok, non. Bah il m'a one shot. Ah oui. Oh la vache. Bah super, bah c'est génial. J'ai même pas vu comment il t'a attaqué. Et j'ai même pas vu ce qu'à l'attaque j'ai lancé. Il m'a fait méga corne et je l'ai pris en plein fouet. Mais en plus, il a pas augmenté son attaque. Non! Arrête! Tu n'as pas besoin de ça! Mieux vaut qu'il augmente son attaque qu'il fasse des dégâts. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, le problème, c'est quand il va taper. Attends, parce que là, on le défonce! Attends, on n'y est pas encore. Oui, mais attends. Tu sais, s'il commence à nous one-shot à tout va, après, bon, on va. Attends, je vais vous encourager, je vais soigner. Ouais, essaye pour voir. Est-ce qu'on aura le temps d'être soigné? Attends, parce que moi, ça bug. Soin d'urgence. Allez, soin d'urgence pour tous nos alliés. Oui. Oh là là, super efficace. Non. Ah, je crois que j'ai sauvé Inno. J'ai vu ta barre de vie. Elle est descendue, elle est remontée. Par contre, je meurs comme un gars. Oh non, j'ai vu. Ouais, oh là là, en plus, on avait tellement d'avance et ça y est. Non, t'inquiète. T'inquiète. Tout à l'heure, on a réussi, mais bon. Il faut arrêter de me taper, monsieur. Ah merde, par contre, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ah ouais, là, il y a tout le monde qui est mort en même temps, là. Oui, chose à savoir aussi, si vous les faites tout seul, les. Oh, je meurs encore. Les raids, sachez que. Sachez que quoi? Que si vous les faites tout seul, oui, les PNJ, lorsque vous mourrez, n'agissent pas et le temps continue de descendre. Et c'est juste. Bah, c'est juste terrible en fait. C'est juste relou. Bah ouais, parce que t'es là et t'es en mode... Ah bah, il y a une terre à cristallisation et en même temps, une attaque. La fin. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es juste le là à attendre la mort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. T'es là et tu vois le compteur qui tourne et personne fait rien et t'es en mode, bon, ouais, c'est sympa les gars. Il y avait un petit combat à faire, mais à part ça, tout va bien. Surtout, imagine si tu... juste avant la fin, quoi, t'es... Il lui reste qu'ils ont plus vite, tu dis, mais attaquez. Mais faites quelque chose. Et le jeu te dit juste non. Ah, les chargements. Ah, les flottes mèches, ouais. Ouais, allez. Ah, les temps de chargement de la Switch. De Pokémon Écarlate. Oui, de Pokémon Écarlate, oui, c'est vrai, oui. Pokémon Écarlate. Rendons à César ce qui appartient à César, quand même. Attends, faisons honneur au jeu. Ah, mais c'est vrai que quand je l'ai relancé sur l'écran, là, ça m'a piqué, quand même. Waouh. On oublie, hein. Mais Mascarade aurait été le plus efficace, clairement. Limite, j'aurais dû le monter encore un petit peu pour le rendre au niveau, je sais pas, 80. Moi, je vais peut-être le changer effectivement pour Floatmèche aussi. C'est vrai que je l'ai, je sais pas quel niveau il est, mais ça peut être une idée. C'est quoi le niveau max au niveau étoile? C'est 7 étoiles, mais après, je sais pas c'est combien. Quoi, ça le combat fait piscine. On a plein de. Je crois que c'est. J'ai jamais eu au-dessus de 5. Ténèbres vol, fini, tête de fer. Ouais, en vrai, je vais peut-être garder l'ensoirien parce que. C'est vrai que Floatmèche, c'est pas mal. Quand tu attrapes le Pokémon, il est 75, mais dans les raids, il est à 90. D'accord. Donc ça comprend pas. C'est 7 étoiles et c'est.
C'est pour ça qu'il est quand même à sacré niveau, quoi. Donc il est plus puissant que tous mes Pokémon, quoi. Que j'en ai aucun. Pour les jeunes. Ouais. J'en ai aucun 90, donc il est plus fort que dans tous les cas que moi. Ah non, oui, ah, pardon. Je suis bête. Je l'attrape à 90 ans. Ah, cette fois-ci, c'est pas moi qu'on attendait. Non, c'est moi, là. Je lisais les messages en même temps et en même temps, je réfléchissais à mes Pokémon et je me disais à quel point ils sont faibles. Mais oui, tu vois, quand. Le temps passe vite, effectivement. Mais là, de toute façon, avec Serpentin, on a gagné des. Des expériences, là. Ouais, des bonbons XP. Et du coup, tu vas pouvoir bien monter. Ah, je l'ai déjà bien monté, hein, depuis. Il a pris 4 ou 5 niveaux déjà. Flotte-mèche shiny. C'est parti de. Oh, il est shiny en plus. Oh, il est trop classe. Doré. Classe. Belle dorure. Bon, et en plus, avec tout ce qu'il lance au départ, le temps que nous on puisse attaquer, on a déjà pas eu du temps, quoi. Ouais, non, mais. Ça. Moi, j'ai ma petite anti qui permet de paraître et d'éviter une attaque. Ok, one shot direct. Merci, au revoir. S'il fait comme l'autre et qu'il nous watch out à chaque fois, on va pas le faire. On va pas aller bien loin. Oh oui, pas mal. Dommage que j'ai pas pu attaquer. Attends. Même psychique, ça va me faire de très gros dégâts. Je crois que ça one shot. Ah non. Ça one shot pas. Pas mal. Ah mais il me refait l'attaque, donc du coup je meurs. Ah, Inoue il est passé. Alors, ah non, mais il m'envoie méga corde à chaque fois et je meurs à tous les coups. Ah, c'est pire que tout à l'heure. Hein. Ah non, mais là c'est. C'est précis. Tu sais, ça fait partie de ces combats comme on a eu tout à l'heure où ils nous en faisaient que les attaques directes les plus puissantes contre nous. Ouais. Donc finalement, on faisait rien quoi. Ah, direct le bouclier, ok. Ouais, en plus on a direct le bouclier. Ouais, là, il y a tout contre nous là. Il s'est ligué contre nous. Est-ce que j'ai le droit d'attaquer ou encore une fois je vais juste regarder le combat? Non, pas trop facile. Bah non, bah je vais juste regarder le combat, il m'a encore tué. Dès que j'apparais, il me tuait à nouveau. Oh non. Oh là là, c'est. Moi j'arrive à tenir un peu, mais. J'ai juste envie de dire Seant. Seant. Ah, c'est bon, c'est mort. La triche. Ah non, mais là il nous a fui là. Oh. À cristal fait. Alors, clairement là avec flotte mèche ça marchait très bien, il faudrait juste qu'il nous laisse attaquer à côté, ça aurait été bien. Parce qu'à 3 là on aurait pu faire pas mal de dégâts quand même. Parce que moi morsure ça enlève pas mal aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais il faudrait qu'il nous laisse jouer. Enfin qu'en tout cas qu'il me laisse jouer serait bien déjà. Bah oui parce que du coup ça nous fait perdre une personne même, ah ouais dans les 3. J'ai pas joué de toute la partie là. Ouais, c'est ça. Il a vu mes faiblesses. Bon, le jeu. Oui. Y'a quelqu'un ? ouais. En fait, tu faisais pas mal de dégâts, mais c'est vrai que Bojan, tu faisais beaucoup de dégâts et en plus, ouais, tu tenais plus longtemps. Surtout, t'as changé que tu m'as lancé une attaque au début, ça leur enlevait directement bien 10% direct. Oui. Et surtout, le truc, c'est que, avec. En fait, le problème de l'Ansorien, c'est que je peux me faire one shot. Et l'avantage avec Miascarade, c'est que. C'est insensible au. Perso, je résiste mieux avec Baojian. Ouais, c'était mieux avec Baojian quand tu le prenais, effectivement. Et quel niveau ton Baojian d'ailleurs? Parce que sinon, j'en ai un aussi, donc peut-être. Mais il est niveau 60 le mien. Peut-être une combinaison. Avec deux Baojian. Ah, le live a un peu de mal. Un peu pixelisé. Ouais. Non, c'est bon. Et il est niveau 100. Il est niveau 100. Ah, moi je suis niveau 60. Et j'imagine que t'as changé aussi les attaques. Ouais.
écoute, je vais reprendre Fellarb. Ouais. Parce que, Fellarb, Miascara. Bah, après, Miascara, quand il fait le coup de corne, là, il te bute en un coup, quoi. Ouais, enfin, il me bute en un coup, c'est ça le problème. Et, mais c'était quand même mieux, on faisait plus de dégâts, je trouve. Que, j'ai mis les capacités pour le VGC. Ah, bah oui. Oui, forcément. Ouais, du coup, ça. Moi, j'ai les capacités de quand je les capturais. Donc, ça aide pas trop, on va dire. Parce que les légendaires, c'est les seuls que je touche pas, en fait. Enfin, les légendaires et les Pokémon qui sont asexués, c'est les seuls que je touche pas, parce que je trouve ça juste trop relou de devoir... de devoir farmer pour avoir les bons, les bonnes attaques, la bonne nature, les bons machins. Alors maintenant, c'est plus simple, mais ça reste quand même... à faire, parce que... Alors que les Pokémon où tu peux faire des œufs, bah déjà, c'est nettement plus simple, parce qu'au moins, t'as le contrôle sur... facilement sur la nature, le talent, etc. Donc, allez, on y croit. Par contre, oui, on y croit. Oh, ce petit coup à chaque fois. Oh non, mais c'est pas très efficace, mais ça me one-shot quand même, quoi. Ouais. Et ça me fait une attaque plante contre Miascarat, ça me tue quand même, quoi. Même avec une attaque plante. Oh là là. Ah, mais Mino, il est. Je viens de voir ça. Ah, c'est l'hécatombe. Sinon, je vais faire monter encore mon mascarade un peu plus haut. Hein. Que je puisse au moins attaquer. Hein. Oui, mais là, on l'a mis. Ah non, mais. T'es sérieux, t'es encore mort. Ah, ouais, mais je peux pas jouer. Dès que j'arrive sur le terrain, il me tue. C'est pas très efficace, mais oui, ça m'a enlevé 90% de ma vie. Ouais, bah moi, enfin, ça 80. Me. Plutôt 75. Moi, ça me one-shot. Mais c'est pas très efficace. Heureusement que c'est pas très efficace. Sûr, qu'est-ce que... ah, c'est vrai qu'il est... franchement il est fort. Là, si je pouvais jouer au moins un petit peu, bah, peut-être que je pourrais être un apporter un truc, j'étais quand même des attaques ténèbres. Bon, on peut jouer ou c'est pas sûr. J'attends mon écran, il se passe plus rien. Ah, moi aussi ça me fait ça des fois. C'est vrai que ouais, c'est un peu le bordel. Non, on comprend pas, genre qui, quand et pourquoi en fait. C'est ça. C'est pas de. C'est un peu. Ah bah, moi je viens de mourir, je suis désolé. Ah bah c'est pour ça, ouais. Enfant. Ouais, c'est ça. Et il m'a encore tué. J'ai pas pu jouer de la partie encore une fois. Oh non, pour toi c'est juste terrible. Hein. Ouais, ça fait combien plusieurs fois où ça se passe comme ça où je peux pas jouer en fait. Ah, et puis il me dégage. C'est terrible. C'est dommage parce que là. Ouais, il était bien, mais... On n'est pas très loin. Hein. Le problème, c'est que là, il me one-shot trop. Il faudrait que je fasse monter encore mon mascarade. Est-ce que j'utiliserai pas un truc? Parce que il est niveau 73, c'est vrai qu'il est vraiment... Après, dans tous les cas, c'est un Pokémon que je veux faire monter au max, donc, dans tous les cas. Que je l'aime bien avoir dans mon équipe, c'est mon pouvoir... C'est pour Rangers vert, donc je vais le garder. Allez, on peut y arriver. Je vais juste vite fait monter ça. Hop, je vais lui mettre la dose, les stéroïdes. Ouais, petite dose, voir comment ça monte ça. Petite dose. Vas-y. Ok. Bonbon S, bonbon XL. Oh, j'en ai un, je savais même pas. Ouais, mais les super bonbons, je préfère quand même les garder pour quand ils sont vraiment à niveau 90, comme ça, c'est, ou quand c'est vraiment la fin, quoi. Les super bonbons, oui. Ouais, c'est tout ce qui est bonbon XPL, etc. Ça, par contre, tu peux les utiliser quand ouais. Tu veux. Ouais. C'est quoi, attends, je vais faire un truc de fou. C'est le live, 80 000 points d'un coup. Niveau 78. Je viens de prendre 5 niveaux. Bah voilà. Tu vas voir, attends, on est là pour le beau jeu. Rien à foutre. Niveau 80. Attends, je suis tellement proche du niveau 81 que le beau jeu. Je vais vendre du rêve. Ouais, on tente même des S. Allez, on s'en fout de toute façon. Allez. Toi, je les utilise jamais à chaque fois mes trucs, j'oublie toujours qu'ils existent en fait, donc je suis niveau 81 maintenant. Est-ce que je peux survivre un petit peu?
Est-ce qu'on peut lui faire sa fête? J'aimerais lui faire sa fête. Je survis mieux avec lui quand même. Je sais pas du tout. Moi je pense que je survis mieux quand même. Hop, c'est bon. Mais ça m'a donné envie d'aller faire les piquets là, j'ai un truc de mémoire. Les piliers, merci. Et ça... oui, il faudrait que tu fasses ça. C'est la dernière étape. Et après, t'auras tous les Pokémon. Et ça, c'est cool. T'auras le droit d'être maître. Est-ce que ça, je sais pas, ça va débloquer, ça débloque pas un truc en plus à l'école? Le fait d'avoir fait les piliers. Va parler au professeur. Va donc parler au professeur. Que fais-tu? Que fais-tu? Il faut que t'ailles parler au professeur. Ouais, c'est un choix que tu me dis, il faut que tu retournes à l'école, tu verras, il y a un truc cool. C'est ça que j'y retourne jamais. Alors je vais pas spoiler parce que t'es là et tu l'as pas fait, je sais que t'es là et que tu l'as pas fait, mais il y a des trucs vraiment cool. Allez à l'école. Allez, là, pour moi, mon mascarade, là, c'est comme si c'est Sangoku qui affronte Bou, et il faut que je me transforme en Super Saiyan 3, c'est parti. Je ne suis plus le même que celui que tu as connu. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, tu te seras putain, Cristal. Je lui ai rien enlevé ou c'est moi là? Ah bah ça commence direct. Quelqu'un qui est mort. Oui. Oh. J'ai vu la barre de temps se baisser, je me suis dit quelqu'un est mort. J'ai regardé dans le récap des barres de vie et puis j'ai vu que. Même niveau 81, quoi, il me fume. Ah bah Ino aussi, allez hop. C'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est tellement le bordel que je ne vois même pas les attaques des autres, je vois juste que les barres bougent. C'est tout ce que je vois. Mais je vois pas les attaques. C'est vrai que le bouclier. Hein. C'est vraiment fouillé, hein, les raids. Quand tu joues solo, ça va. Mais quand tu joues à plusieurs, c'est le bordel. Même solo, c'est l'horreur. Tu peux quand tu. Je prends rien à rien. Ouais. Oh, je lui enlève rien, quoi. Bien, Antise. Antise, c'est fort, ouais. Pas mal, t'as Antise. C'est ce qui a fait le plus de dégâts. Et je résiste pas mal, donc c'est cool. Au moins, je meurs pas en boucle comme avec Niascarad en fait. Fais des danses là, je trouve ça c'est très bien, continue comme ça. Non, pas trop de. Ouh, je sais pas qui a fait les dégâts là, mais. Là, mais ça a été. Ouf, méga corne bien sûr, one shot. Oh non, bon, j'en fais une énergie prodigieuse, allez. Ino aussi. Oh non, mais... ça y est. C'est pas très efficace. Si proche du but. Ouais, si proche, il reste quand même pas mal quand même. Ouais, il reste quand même pas mal de trucs à faire. Allez. Ouais. Il libère l'énergie accumulée. Ouais, on est. Voilà. On s'en rapproche. Hein. C'est mais frustrant même... parce qu'il manque pas grand chose. Même niveau 80, il me one-shot encore. Même sur les attaques qui sont pas très efficaces. Ouais. Donc, je suis niveau 81, quoi. Il faudrait que je monte au niveau 100. Faut que je me fasse un Kuroussin pour ce genre de raid. Oui, moi, je pensais me faire un Inf, justement. Kuroussin, c'est un que j'aimerais bien avoir, parce que je le trouve extrêmement classe. Ah, il est trop cool, lui. Hein. Spectre combat, en plus. Je trouve qu'ils ont trouvé vraiment un truc... Enfin, il a un super design, quoi. Et qui en plus suit le lore, et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment cool. Parce qu'il est dit que. Comment ça s'appelle? Que Colossinge peut mourir si jamais il s'énerve. Il peut mourir si c'est trop, il fait une rupture d'anévrisme? Ouais, c'est ça. Moi je suis là pour le jeu. Le beau jeu. Niveau 82, et je lui mets tout. Hein. J'ai tout mis sur. Sur Mascarade, ça ne servait à rien ce que je viens de faire là. Ça ne lui a rien mis, je m'en fous. Il me reste plus un bonbon XL. Allez, je tisse tout. On va tout péter. Allez. J'ai tout utilisé mes bonbons. Pour ce grand jour. Et je n'ai aucun regret.
Et shiny, en plus, tu le veux. En fait, ça suffit pas de remplir le Pokédex, il le faut shiny. Oui, c'est ça. Et attends, pour que ça rende un peu encore ça, plus classe. Ça, c'est bienvenu dans le monde des personnes qui aiment bien. Voilà, pour que ça rende encore mieux. Qui aiment bien comment ah, il le faut. Shiny. Ouais, c'est ça. Avec la voix, ça rend mieux. Hop, allez. Ce coup-ci, c'est la bonne. Un Shiny Hunter de base, moi. Oh! Shiny Hunter. C'est le truc, ouais, j'ai pas tellement pas la patience. Toi, tu le fais de temps en temps. Moi, j'ai pas la patience. Ça me rend moi, fou. Moi, je le fais de temps en temps, effectivement. Alors, moi, je Shiny Hunt pas vraiment, dans le sens où, en fait, je fais des ombres. Et j'espère qu'ils deviennent Shiny. C'est tout ce que je sais. Où es-tu? Pourquoi on ne te voit pas? Parce que j'ai pas vu en fait le message encore une fois. Mais là je m'en suis rendu compte tout de suite, donc j'arrive. Enfin, je m'en suis rendu compte assez tôt, donc c'est bon. Me voici, me voilà. Mais oui, moi c'est plutôt l'inverse. Je suis un stratège et de temps en temps j'aime bien faire les chaînes. Attends, on peut pas rater le live tant qu'on n'a pas réussi à choper ce truc quoi. Bah disons que j'ai 20 piges et je chasse depuis Earth Gold sous le Sieve. Ah ouais, tu fais un coup. Ah ouais. Bah les débuts en fait, j'imagine. Depuis les débuts quasiment. Et on va te faire ta fête. T'as réussi à compléter un Pokédex d'une génération complète en Shiny ou pas encore? Parce que ça franchement, ça serait... Bah ça serait la folie. Je crois que t'es mort Thomas. Non bah il y a encore rien eu donc il fait le terrain pour l'instant. Il y a une préparation du terrain. D'abord il met les petits tapis, les tatamis, tout ça. Pas encore. Ah ok. Moi j'aimerais bien c'est compléter un Pokédex. Au moins un Pokédex. Je survis. Oh bien joué. Je survis. Je suis un survivant. Il a survécu. Ça n'affecte pas Miascara, tu m'as dit. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Mais pas loin. Ouh, c'est lequel? Quelle génération ça? J'imagine la deuxième ou la première. Elle est bouclée direct à mon avis, ah, bien sûr. Ouais. Et là ça rigole plus là. Tu trembles désormais. Et d'un coup là il va me rouler dessus et j'ai moins rire. Non t'inquiète, en plus c'est pas buff. Ruby Omega, ah ok. Il te manque lesquels que t'as pas en Shiny? Ah non, il m'a eu. Vengez-moi. Bah on essaye. Je sais pas combien il me manque pour pouvoir Terra. Ah bah je peux en fait, mais j'ai oublié de le faire. Parce que Mais attends, ça va pas tuer, maintenant ça one shot. Oh non, si contient one shot alors que je suis niveau 85, au bout d'un moment je sais plus quoi faire moi. Tu peux essayer d'atteindre le niveau 100 hein. Ah non, mais bah, là, il me reste plus que des super bonbons maintenant. Ah mais ça me tue quoi parce que. Ça y est, c'est fini. Putain, c'est con, ça avait tellement bien commencé. Le starter plant et une dizaine de Pokémon. Ok, oh oui! Oh oui, mais attends, mais il y a combien de Pokémon? Attends. Combien de Pokémon sur Ruby Omega? Sur Ruby Sapphire? Troisième génération. Tac tac tac, parce que j'en ai marre de faire ça à chaque fois. On aura passé la soirée à essayer de capturer ce truc quoi. Oui. Je chasse encore dessus. Oh la vache. 152 à 306. Hein. C'est là que t'espères que la pile ne lâche jamais. Que la pile de sauvegarde elle lâche pas, tu vois. Oui.
Est-ce que tu arrêtes encore le message, Mio? Non, pardon, je suis en train de faire des calculs. Ouais, bah, le nombre de Pokémon qu'il y a dans sa Ruby Omega. C'est-à-dire que tu as 124 Pokémon Shiny sur Ruby. C'est ça? Allez. C'est la bonne, cette fois-ci. Au moins 124. Au moins 124. Et pour les starters, bah, j'imagine que tu as dû faire des œufs. Ça a l'air d'être le plus. Je tente un golet, ouais, je vois ça. De toute façon, là, il faut tenter des trucs contre pour essayer de choper à l'avoir au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que l'enfant, ça a l'air d'être la meilleure strat. Bah, maintenant que moi j'ai tout foutu dans Mascarade, je peux plus arrêter. Hein. J'ai tout misé dessus. Bah, moi, hein. Oh, golet shiny! Ouais, classe! Ah, bien sûr, oui. Il fait son petit truc habituel, ta petite présentation. Et oui, du coup, moi, comme je te disais tout à l'heure, Masuda, bah, c'est la seule technique que j'utilise pour avoir les shiny. Et après, des fois, j'ai une coup de chance. Mais dans ce cas-là, je récupère hein, des mystères. Mais, ouais. Et donc, c'est cool quand je fais de la strat. Bah, parce qu'il y en a qui sont complètement, complètement accro et qui font aussi les starters en relançant la console et c'est pas terrible pour la console. Et donc pour ceux qui le savent pas, la technique Masuda, ça consiste à justement faire. Oh non, Mega Corn. Oh, c'est merci, Mascarade. Ah, quelqu'un est mort. Ah bah, c'est toi. Ouais. Bah, Mega Corn, ça il me l'envoie là. Bah, j'ai l'impression que Golet fonctionne moins bien au niveau puissance. Il fait moins de dégâts quand même. Mais il tient mieux. Alors, Tis, ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il doit prendre deux tours, mais. Bah, ouais, tu viens de mourir, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu. Mais d'un côté, après, je tiens pas si. Je sais pas ce qu'il faudrait pour moi. Pour arriver à le voir au bout. Arriver au bout, je sais pas. Allez, méga corn. Merci, au revoir. Ouais. Allez, one shot. Ouais, ça manque de puissance, malheureusement. Ça manque de punch. Après le truc c'est que bah tu tiens les attaques mais on a fait moins de dégâts là pour cette session là que la session d'avant. Ouais. Et le lance-en-rien son problème c'est qu'il fait des dégâts mais c'est sur deux tours quoi. Donc du coup pas si rentable que ça en fait. Faudrait que je trouve un autre Pokémon encore. Ah il est paralysé. C'est pas mal ça, mais du coup ça va pas servir à grand chose. Allez, est-ce qu'on est mort? Libération. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait genre moi qui essaie de buffer un maximum en augmentant les attaques, en augmentant la défense, etc. Ça peut être une idée. Hein. Ouais, essayer de remettre de la vie. Genre les soins d'urgence et tout. Ouais, déjà dès le départ j'arrive, je mets directement de la défense à tout le monde et après j'augmente les attaques. Parce que vous faites beaucoup plus, vous faites plus de dégâts que moi, donc des fois au moins je peux être plus utile à augmenter les défenses et les attaques et remettre de la vie quand il y a besoin quoi. C'est vrai, mais il te faudra un Pokémon qui résiste vraiment bien. Ouais mais je pense que j'en ai aucun qui est puissant. Bon bah attends, ça se tente. Ok. Je réfléchis aussi à quelqu'un d'autre pour Toclan sans rien. Est-ce que je regarde, mais j'en ai pas d'autre qui. Ténèbres. Ténèbres, c'est que hormis Ectoplasma, j'en ai pas d'autre. Hein. Et il est niveau 50, donc je vais me faire. Non,
Normal poison. Ténèbres insectes, le problème c'est que ça, ça serait cool, mais. Et le nymphalique jet au fait. Nymphalique jet. Lequel. Ouais, t'as... Il y a bâillement. Est-ce que le bâillement ça, ça fait des trucs? Ah oui, et puis il y a Pyrax aussi. Lance du feu, Pyodance. Je vais tenter de faire ça, de vous donner un max de buff. Non, c'est pas ça. Je vais tenter mon Pyrax. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Mimiki en raid, je sais pas du tout. J'avais tapé un jour liste des Pokémon les plus forts pour les raids. Et je sais que Nymphali ressortait. Pour les raids Terra Crystal Vert de Fer, bon, sur Mar GTX, Eugrien Close. Alors, il propose Gros Mago, Scalpereur, Miraidon, Paume de Fer, Angoliath, effectivement. Miraidon aussi? Ouais. Après je l'ai, hein, s'il peut tenir en temps. S'il peut supporter les attaques de façon à ce que moi je puisse attaquer. Enfin faire des trucs. Miraidon en plus c'est pour le soloter à part. En plus donc ça pourrait être intéressant. Ouais. Oui parce que t'as un... Si je dis pas de bêtises, tu as... Gourmago en first, ouais c'est le Gourmago est ressorti direct. Donc, et pardon, je vais peut-être faire un bourdon. C'est pas terrible au niveau du cœur. Je vais attendre des trucs, on va voir. Je pense que je vais me prendre cher. Ah ouais, je prends trop cher. T'as pris très cher. Donc, ouais. J'essaie de vous protéger, mais. Ah bah, il m'a tué, ça c'est fait. Ah bah, ça meurt. Ouais, oh la vache, tout de suite là. Le temps. En fait, c'est le temps qui lui pose problème, il descend tellement vite quand on meurt. Ça met tellement de temps à passer les animations. Oui, c'est n'importe quoi. Ah, quoique, ouais, non. Je vais dire. D'accord. Ça y est, direct. Hein. En fait, la première fois qu'il utilise machin feuille, là, il me fait pas trop mal. Et après, la deuxième fois, il me one shot à chaque fois. Il y a juste une fois où il ne fait pas trop de dégâts. Dommage qu'on l'avait presque battu. On avait presque vaincu sa phase cristal. Et là c'est bon, on a vaincu sa phase cristal. Et normal, est-ce que c'est pas mieux de le frapper un peu plus dans la bouche? Voilà, on est tellement prêt. Le problème c'est que Inoue n'est pas là et Inoue fait tellement de dégâts. Ah bon? Ouais. Oh non, vers... Oh non! Je suis pas mort. Eh ben, on est... Ah, c'est frustrant. Non, on était si près. Oh la vache, si près. Je pense qu'on était vraiment pas loin là. On a jamais été aussi près. Ah vraiment? Mais ouais, ça veut dire que notre si nouvelle technique fonctionne. C'est terrible. Mais il faut pas que je fasse la défense. Il faut que j'augmente directement l'attaque et après on le frappe. Ouais, je pense. Que ça ait pas trop mal marché. Mais il faut juste augmenter les dégâts, que ça fasse plus un max de dégâts possible. Oh la vache, mais quelle prise de tête celui-ci.
Mais celui-là, on va jamais. Tu m'avais dit, c'est ouvert d'essayer, tu m'avais dit, c'était Miraidon. Ouais, Miraidon. Parce que, en plus, c'était pas bête. Parce que. Qu'est-ce qui se passe? Il met le champ électrifié, donc du coup, ça va te booster ton truc, ton attaque, ou je sais pas trop quoi. Ouais, mais est-ce que je fais des dégâts, ça, le truc, après derrière? Parce que, sachant qu'il est niveau 72, le mien, il est vraiment. Il est là, quoi. Bon, pas de classe, il faut voir ce qu'il est conseillé sur lui. Du bidon et point éclair. Allez, gros mago. Ah, mais gros mago, il est niveau 2, c'est même pas la peine. En vrai, est-ce que Pyrax c'était pas une bonne idée? On va retenter, hein. On va retenter. Bon, je sors le gros magot, oui, effectivement. Parce que, en tout cas, c'est ce qui ressort. Alors, eux, ils l'ont mis comment? Je vais dire ça. Gros magot, stridoson, machination, ballon, et soin. Avec la graine électrique. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai trouvé sur le site. Hein. D'ailleurs, je vous le mets. Si jamais vous voulez, dans le chat. Ah mince, j'étais en train de regarder un truc vite fait, que j'ai reçu un message du boulot. Ah. Le boulot n'attend pas. Le boulot ne s'arrête jamais. C'est ça, même la nuit. Même la nuit. C'est terrible, hein. C'est terrible. Travailler plus. Ah bah c'est cool, comme ça il est... Ouais. Oh merci. Bienvenue sur le Discord. Bienvenue à toi. Alors vas-y. Là tu seras alerté des lives. Et ça c'est bien. Alors vas-y, moteur. C'est bon, on peut jouer maintenant. Rayon j'aime. Là un truc. Oh, je sais pas ce que t'as fait, mais... Ultra laser. Un ultra laser, c'est un tour de recharge. C'est ça, c'est ce qui m'embête un peu. J'ai peur des attaques qu'il va nous faire, en fait. Franchement, ça se passe pas trop mal. Voilà. Crowdrive est blessé. Ça attaque de tous les côtés, là. Je tape, hein, mais. Pour rien où j'aime partir. Hop. Bah, je vais continuer avec Vampirisme en vrai. J'ai pas mal de. Ouais, et moi, je vais. En fait. C'est la concentration. Ouais. Bien. Allez, hop. On est calme. Pour l'instant, je tiens à dire qu'on ne peut pas mort une seule fois parce qu'en fait, Vampirisme, ça me soigne juste trop. Ouais. Bon, ça a pas mis beaucoup de vie soit d'urgence, mais bon. J'ai tenté. Bah, c'est toujours surpris, hein. Corps ardent de Pyrax, mais. Oui. Attends, on va faire bourbon quand même pour faire des dégâts. Non, eh ben il va tuer. Ah oui. Mais par contre, je tiens beaucoup plus, par contre, j'ai l'impression. Je résiste à beaucoup plus d'attaques. Ouais, et tu fais plus de dégâts aussi, j'ai l'impression. Bah, j'ai quasiment rien attaqué là, j'essaie de vous protéger, j'ai fait deux attaques seulement. Et après, j'ai essayé de remettre de la vie, augmenter les attaques. Par contre, c'est bien, la brûlure ça marche bien. La brûlure, c'est grâce à Pyrax plusieurs fois. Bah, ça marche bien. Corps ardent de Pyrax, ça carie. C'est un truc de ouf. Mais Pyrax, c'est un très très bon Pokémon. C'est très puissant. Putain. Je donne tout ce que j'ai aussi. On va l'avoir. J'essaie de tout lui mettre, mais. Non, j'ai pas qu'il me tue, parce que là, on est trop bien. Mais par contre, ouais, en fait, c'est que je suis beaucoup plus résistant en fait.
Attends, je pense ultra laser là, c'est le bon. Oh oui. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, putain. Ah, ça fait plaisir, vas-y, attraper. Je te lance. Alors, la petite Pokéball. Toi, tu sélectionnes. Allez, GG, bien joué. Merci pour ta présence, que pour les deux, tu nous auras bien aidé. Mon gars. Ça a clairement fait pencher la balance. Hein. Ah oui, oui, oui. Tu nous as clairement bien aidé là. Surtout sur celui-ci. Hein. Ah ouais, franchement. Pff. Et là, on avait le bon truc. Hein. Moi, Mira et Don qui résistaient super bien. Vous, les deux vôtres aussi, pareil, ils tenaient super bien. Donc, on a eu très peu de morts. Ah, je suis content de me dire ça y est, c'est bon, le Pokédex, ça c'est fait. Oui, ça c'est bon. Ah là là. Ah, je suis content. Encore un... Ça nous aura pris deux heures. Ça nous aura pris deux heures, faut y arriver. Oh, ça fait trop bien. Et en plus, maintenant je me retrouve avec un Miraidon. Un Miascarade ultra puissant. Parce qu'il a pris. 80, je crois. Il a pris quand même, il était niveau 71 quand on a commencé, je crois, comme ça. Non, 69. Et aujourd'hui, il est 83. En deux heures, il a pris quelques niveaux. Oui, ça c'est pas mal. Un cadeau pour chacun. Hop. Oui, oui, la sauvegarde. La sauvegarde, la sauvegarde directe. De quoi ? Oui ! Comment ça, un cadeau pour chacun ? Oui, c'est ce que je me demande aussi. Verre de fer, 75, effectivement. On a perdu une eau. Où est-ce qu'il est passé? Je le vois plus. Comment on va déjà sur la carte? Je ne sais pas. Je vois même pas sur la carte comment ça fonctionne. Ah si, pourtant tout le monde est là. On n'est pas tous là en fait. Je fais quoi? Je vais max vitesse. Je sais pas si c'est mieux. Je regardais mon écran de PC et je voyais le personnage bouger. Je me suis dit en mode, mais attends, mais je le fais pas là, je le goûte pas. Mais est-ce qu'on peut te voir sur la map? Club Union. Ah, j'ai l'air. Vas-y, pourtant, on est tous bien là. C'est juste que je voyais pas sur la map où est-ce qu'il était. J'avais perdu Ino. Personne. Et maintenant c'est toi que j'ai perdu. Ah tu es là. Moi je suis à côté, ouais. Un par un, allez dans l'échantillon. Non, échangeons. D'accord, attends. 54, ok. Fais voir. Non, vas-y. Donc il portait jamais essayé. Là-dedans ça doit être, je pense. Mot de passe. Avec le petit mot de passe. Je ne sais plus lire. En fait, le chat est derrière mon micro. Voilà. Échange réussi. Quelque chose à faire en fait, parce que je découvre ce système. Faut que je te file un truc forcément normalement. Je sais pas, tu voulais quelque chose en particulier après en fait, ou je peux te donner n'importe quoi. En fait, je peux voir tout ce que tu n'as pas en fait. Ça sert à rien. Un Pokémon de merde qui sert à rien, j'en ai plein. Non mais quitte un fil qui sert à rien, hein. Autant que ça serve pour toi. Hein. Qui augmente le Pokédex, au moins c'est Genre lui, route fait. Ah, toi, t'as quelle version en fait? T'as la version. Je crois que t'as la version comme moi, violette. Hein. Ouais, toi, c'est la violette. Pourquoi ils sont partis se foutre là aussi loin, mes Pokémon là? Faut pas être plus près là? Je regardais si je peux te fouler, si je pouvais te filer un que. Mais en fait, il y a que toi, Mio, qui peut lui filer des trucs que je n'ai pas. Et je pense que c'est ce que je ferais. Tiens. Ils sont chiants. Oh, trop cool. Il est trop beau. Mimiki.
Bah attends, mais il a une petite queue en bois. C'est la version shiny, celle-ci. C'est ce que j'étais en train de me demander. C'est la version shiny. T'es possible, j'ai interrogé, j'ai dit attends, mais attends, je ne reconnais pas cette couleur. Ah bah cool, merci. Mimiki. Mimiki. Ah pas complètement, il est trop classe. En plus je l'avais pas donc c'est parfait. Là voilà. Parce que d'habitude il a la queue noire et là je voyais sa petite queue comme ça, toute cette couleur là. Alors. Mince. Reste là. Mimiki. Ouais. Petit chat. Ouais, on peut pas les prendre pour les faire tourner. Je voulais les faire. Il est version strat. Oh, je m'en fiche. il est version trop classe surtout. Merci. Il est surtout version trop classe. Oui, toi, je pense que c'est le premier intérêt pour toi, Thomas. Ah oui, moi, je veux juste que ce soit classe. Non, en plus, c'est, ouais. Moi, ce qui est déjà surtout trop cool, c'est que ça remplit mon Pokédex. En plus. Oui, aussi. En plus. Que je ne l'ai jamais croisé. En plus, hormis dans un combat, je ne l'ai jamais croisé. Et voir, attends, hop, mon Pokédex, où est-ce qu'il en est? Ah bah c'était le 235e. Cool. Et bah c'est un grand merci, franchement, ça fait super plaisir. À l'autre maintenant, c'est ça. Okay. En fait, t'en as combien de capturés dans ton Pokédex, Mio, toi? Désolé pour le son, ça va être insupportable. C'est juste qu'il y a un point et j'aime pas les petits points. Donc je vais virer les petits points. Un bon nombre. Non, attends, je vais mettre le même code. 34. Voilà. 61. 86. Non, c'est ça. Où est-ce qu'ils ont été se placer Où est-ce qu'ils sont? Oh, super! Ceux qu'on a capturés, en fait, ils sont même pas dans le Pokédex? Non, parce que c'est des Pokémon d'Event. Oh, quel dommage, j'aurais voulu que ça soit rentré dedans. Quel dommage, je l'ai cherché. Bah, je pourrais te filer le Switch, effectivement, parce que j'ai le trait aussi ici. Et si j'ai pas de bêtises, ouais. Je fais le quoi? Je te filer celui-ci. Strat aussi. Il y avait un truc là, c'est ah bon, c'est nul ça. C'est toujours une version normale, c'est pas cette version là que je voudrais. Oui, mais je crois que je te les ai passés les autres. Les bah, autres tu m'as deux. Ouais, mais tu as les deux versions toi? Ouais, moi j'avais les deux. Ah, il est strat aussi. Pareil, non, celui que je t'envoie, bah il a 5 IV. Du coup, pour faire de la strat. C'est intéressant. Et en plus, c'est un que t'as pas, donc là, non seulement ça complète ton Pokédex, mais en plus. Bon, ouais, quitte à faire un échange, hein. Autant que ça soit utile. Ah oui, ouais, exact. Oh là là, et en plus, il est chali, il vaut 3, 6, 6 IV, oh là là. Thermodynamique. Bah, ça, c'est très gentil. C'est un très joli cadeau. Merci beaucoup. Ouais. Hop, je suis en train de me défoncer un petit rond grigou en attendant. Ah là, je l'ai fait lui aussi. Parce que lui, je l'avais toujours pas fait parce qu'en fait, j'ai jamais fait les missions. Tu sais, t'as le mec qui t'attend et qui te dit oui, si tu bats tant de dresseurs, t'auras un truc. Et ça, je l'ai fait jamais. Il y en a un peu partout, ouais. Effectivement. Parce que ça a été une soirée bien rentable, tout ça. Ça a été long. Ça a été des combats qui nous ont demandé du temps et de la stratégie, pour une fois. Et oui. C'était pas mal parce qu'on s'est pas énervé, on est resté calme et réfléchi, donc c'était très bien. Malgré l'adversité. Ouais. Parce que c'est vrai que le Pokémon en lui-même était pas extrêmement dur, donc c'était cool. Ah, oh, attends, c'est quoi celui-là? Attends, je crois que j'ai trouvé un shiny. Non, pas celui-là. Vivaldin. Ah non, c'est pas un shiny. Il est vert, je sais pas, j'ai pas dû le voir vert. C'est juste ça. C'est parce qu'il a 4 formes. Pour les 4 saisons. Mais pourquoi je me fais jamais passer par là, moi? Ah, bah cool, bah tiens, tu sais quoi, il va y passer.
Allez, tiens. Que si je le tape, il est mort, donc... C'est le genre de Pokémon que... Oh bah d'accord. Oh, tu vas te prendre une Hyper Ball, toi. Tu vas te prendre une Hyper Ball, toi, ça va te calmer, je te le dis. Non, non, pas ça. Hop, et après, je vais devoir vous laisser, moi, parce que demain, j'ai 3 heures de route. 3-4 heures de route. C'est pas pour le boulot, c'est que je dois me rendre à Reims demain. Ah, d'accord. Donc, le temps de faire l'aller-retour, et en plus, ça va être limité parce que il faut qu'on parte. On a un rendez-vous là-bas et on doit être revenu pour, avant pour midi et demi à peu près. Donc, midi et demi, 13h serait bien. Donc, ça va être une course contre la montre demain. Déjà, vous. Nanana. Ah, ben clairement, ça va être ça. On va se lever, on prend les enfants, on les jette à l'école, on fonce jusqu'à. Mais on court jusqu'à Reims, on va excès de vitesse tout le long, et puis. On sera bien. Ouf, la portière passe par la fenêtre. ça va être une course demain. Oh. Même lors du rendez-vous, je vais regarder le mec, je vais faire non, mais là, la montre, pas le temps. Tu vas à l'essentiel. Un café, on n'a pas le temps. C'est ça. Oh, tiens, bah tiens, hop. Ah, bah le starter. Ah, t'as donné lequel, Shiny Starter? Ah, Mio, c'était lequel que t'avais filé, toi? Mais ça, c'est qui manquait. Ce rubis en fait, ah bon? Non, moi, j'ai juste donné quoi? Moi, c'était un Patrioxyde, mais l'autre. Mais du coup, tu l'as trouvé comment? Parce que moi, il était pas shiny, il était juste. Bah, il était juste strat, en fait. Sauvegarde pour pas me faire avoir, c'est bon, j'ai déjà vécu ça il y a pas si longtemps. Toujours, ouais. Ah non, je suis sûr quand j'avais fait, j'avais fait 1h30, 2h quand je me suis planté, j'ai fait une erreur stratégique et j'ai dû tout recommencer. Ça m'a fait mal au cœur. C'est le moment où tu fais non, attends, tu poses la console et tu dis je reviendrai plus tard. J'ai pas le courage. Le temps que je saute. Ouais, c'est ça, le temps de digérer l'information. D'ailleurs, je sais pas si tu veux qu'on passe les échanges maintenant, ou si tu préfères aller te coucher et qu'on passe ça. C'était lequel que j'ai? C'est Mirai, donc il faut que je te file. Ouais, au moins le Mirai, donc. Bah attends, je te le fais tout de suite. Mince, c'est dans un Poképortail. Comme ça. C'est fait. Et Inoshina, je sais pas où est-ce qu'il se trouve sur la carte. échange. Merde, il est pas shiny. Celui que je t'ai filé, non, il est pas shiny malheureusement. Mais il est strat pas. Attends, est-ce qu'il faut enlever le mot de passe? Ouais. Merde. Bah alors. Ça, c'est dommage que pareil, on puisse pas faire des échanges des combats directement quand on est en. Vas-y, je te laisse venir. Par contre, je peux te retrouver rapidement. Mais celui que je t'ai filé, moi. Ah si, oui, il est shiny par contre. Effectivement. C'est bon, t'as accepté l'invitation. Aïdou gris, plus 10. J'ai cru que j'avais appuyé sur une mauvaise touche. Où est-ce qu'il est? Allez, Miraidon, ça dégage. Enfin, t'as pas hurlé, mais. Oh! C'est quoi celui-là? C'est Hurlequeux, un de mes Pokémon préférés. Mais un de mes Paradox préférés. Parce que c'est Rondoudou, et du coup j'adore. Ah bah oui, c'est Rondoudou version vampire. Oui. il a des petites dents. Là, version vampire. La vampire. Ah bonjour, je suis vampire. Du coup, vos Pokémon préférés de la génération ou globale? Parce que ça dépend. Moi, je suis un mec de la première génération. C'est donc moi, ça sera toujours la première génération. Mon premier Pokémon, moi, ça a été le bleu précédemment. Tu vois, je me rappelle encore l'avoir acheté sur ma Game Boy qui était même pas couleur à l'époque. J'avais la Game Boy, c'était la Pocket grise. Donc c'était en noir et blanc. Et je peux même te dire que j'avais allumé le jeu dans les toilettes à l'époque. La première fois que je l'ai allumé, j'étais aux toilettes.
Ah, dispo dans Scarlet et Violet. Super, ah, c'est tu as hurle. C'est bon, elle est... t'en avais pas d'autres actuellement, Fuhr? Non. Moi j'avais pas vraiment de préféré en fait là-dedans. Ouais, et je crois que tu les as pas. Au niveau mascara. Au niveau design, Miascara, je trouve. Mais... Ouais, pour les Star Wars, oui, sans contexte, c'est Miascara. Sinon, ici, il y a Tag Tag que j'aime bien, mais est-ce que c'est mon préféré? Je ne sais pas. Comme je disais, Hurlepeu, c'est un de mes préférés en forme paradoxe. Mais sinon. Sinon, je sais pas. Je pense que j'ai pas encore un avis tout à fait posé pour choisir. Ah, mais si, Terrestre. Terrestre, il est vraiment bien. Moi, le seul qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment Escarade. Hein. Je l'ai trouvé tellement stylé. Et pourtant, c'était pas mon starter. Mais j'ai un petit faible pour la première évolution et la deuxième version. Mm. Le Miascara, la forme finale, elle a eu du mal à. Elle est cool. Mal à la presse. Ouais. La version intermédiaire, elle est trop classe. La deuxième. La version intermédiaire et la première version, elle est géniale. Voilà, moi j'ai adoré la deuxième, je crois qu'il a une tronche et trop cool. Mm. En fait, je suis surtout dégoûté qu'ils aient refait un bipède. Ils auraient dû le laisser. Quadrupède. Bah moi ça m'a arrangé. Une... oui pour toi. Oui, moi ça m'a arrangé, c'est bien. Et toi du coup, Ino, ton Pokémon préféré dans Scarlet? Après si on compte tous les Pokémon dispo dans Scarlet, sans compter qu'ils fassent partie de la 9ème génération ou pas, c'est Predastéri. Predastéri qui est mon Pokémon préféré, de toute génération confondue pour l'instant. Voilà. Ah. Et les évolue et toute la prise d'évolution des bons. Parce qu'ils sont juste trop bien. Avec préférence pour Fidali. Flotmèche, je dirais. Ah, Flotmèche, ok. Flotmèche, bah, c'est vrai qu'il est assez cool. Flotmèche aussi. C'est vrai qu'en fait, moi, il y a un mois, j'ai vraiment décroché Pokémon. En fait, c'est toi qui m'as fait revenir sur Pokémon. C'est vrai que sinon, j'avais vraiment décroché. Écarlate et Violet, j'étais juste trop hypé pour. Ouais, c'est. Oh la vache, le jeu il rame. C'est parce que tu m'as hypé pour qu'on le fasse, etc. Parce que sinon, c'est vrai que. Legend of Arceus, je l'ai même pas fini, quoi. C'est. Oh la vache, le jeu il a du mal. Oh, je suis où là? Oh là, mon dieu. Dès que je tourne la caméra, ça rame. Allez. Non. Je voulais monter au sommet. Raté. Aucun plan. Moi j'ai un gros dodo qui m'attend en tout cas pour ma part aussi. Pareil, je pense qu'on va pouvoir se laisser si je veux être en forme demain pour la route. Exactement, mais c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Ouais. Alors moi, vous pouvez retrouver toutes les semaines ici pour Wakfu, au moins une fois par semaine, en début de semaine, entre lundi et jeudi, au début de semaine, un peu large, début de semaine. Hein. Lundi, mardi, enfin plus lundi, mardi, mercredi que jeudi. Jeudi, c'est vraiment si vous ne voyez ni lundi ni mardi, bah il y a de fortes chances que ce soit mercredi ou jeudi. Mais en règle générale, c'est plutôt lundi et mardi. Et toi, Thomas, sur ta chaîne YouTube. Ouais, là, il m'a dit juste mon Pokémon préféré. Sur cette génération, j'ai vraiment du mal. Moi, vraiment, c'est le seul qui m'a vraiment dit ça, il a vraiment de la gueule, c'est Miascarade. Mais c'est vrai que je me suis pas attardé vraiment sur les autres. J'ai fait ma petite team parce que je cherchais vraiment à avoir des Pokémon Power Rangers, mais dont un autre que j'ai adoré. Où est-ce qu'il est? Hop, mon petit Malvalam que je trouve extrêmement classe. Je le trouve tellement stylé dans celle-ci. Ouais, Malvalam. J'ai l'autre forme, mais Malvalam, je trouve il est vraiment trop classe. Je suis fan. Et toute génération confondue, moi je suis. J'aurais du mal que moi, ça serait vraiment la première génération et certains de la première qui m'ont le plus marqué, quoi. Mais bon, ça c'est parce que forcément, ça a été mon premier jeu Pokémon. Donc. Bah, le Shiny, je sais même pas quoi il ressemble, le Shiny de Malvalam. Ils ont juste changé la couleur, ils ont dit tiens vas-y on va aller. Enfin, c'est un shiny, on change toujours la couleur. Ils ont juste changé la couleur de la flamme, c'est tout. Mal.
mais il y a plein de shiny comme ça. Alors, ce serait même pas un Dracofeu. Moi, par exemple, toi, pas Dracofeu, mais Reptincelle, que je trouve vraiment, j'adore. Je le trouve vraiment stylé. Ça serait plutôt Reptincelle, ouais. Moi, en tant que daltonien, je vois pas la différence. Mais c'est, oui, c'est pareil. C'est un autre truc aussi, juste comme ça, je me permets de remettre le petit point sur la table par rapport à ça. Mais remettez les alertes où il y a des shiny autour, parce que pour les daltoniens, c'est juste infernal. Oui. Genre, j'ai suivi un let's play de Pokémon Violet, et à un moment donné, c'était Newtstuff qui faisait le let's play, et donc à un moment donné, il tombe sur un shiny, et il est en mode, oh regardez là celui-là et tout. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je vois en fait? Enfin, qu'est-ce qu'il faut regarder à ce moment-là? Parce que je ne savais pas du tout qu'en tu fait. Tu as été puni. Ouais, j'ai été puni. Et c'est après, quand il a lancé le combat, que j'ai vu les étoiles et qu'effectivement, le Pokémon était shiny. Mais il se serait pas arrêté, moi je serais passé 100 fois devant, hein. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, on est un peu puni pour, par rapport à ça. C'est pas cool. Et oui, bah, comme je disais, il y a plein de... Déjà, même pour les non-daltoniens, il y a plein de shiny qui... où des fois, t'es obligé de regarder à 2-3 fois avant de comprendre que c'est ça. Mais imaginez ça en plus pour les daltoniens. C'est terrible. C'est juste terrible. Bon, bah, allez, moi, je vais vous laisser. Et donc, oui, comme tu disais tout à l'heure, pour me retrouver, moi, c'est sur ma chaîne YouTube, hein, Thomas Gaming et Découverte, TGD Thomas, c'est ce qui est le plus simple à taper, TGD et Thomas derrière, pour avoir toutes mes vidéos, tous les tests d'objets, tests d'accessoires, unboxing. Là, il y a l'unboxing dans la Switch Zelda que j'ai commandé, mais que j'ai pas encore reçu, parce qu'elle arrive de très loin. En fait, elle a été reçue par quelqu'un d'autre qui l'a récupéré pour moi, mais il faut qu'il me la ramène maintenant. Donc ça arrive normalement semaine prochaine, l'unboxing de la Switch Zelda, qui sera ma 9e Switch. Donc, belle collection. Ouais, ça commence à faire une belle collection. Hein. Et donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir celle-ci. Et puis après, bref, tout le reste, faut aller voir. Ça sera plus facile pour vous. Et pour les lives, je reviens dès que j'ai du temps et des possibilités. Je pourrais revenir, parce que c'est vrai que là j'avais repris le live donc de Howard Legacy, mais que ouais, voilà, manque de temps toujours quoi. C'est ça, donc, c'est un gros problème. Ouais. Bon bah en tout cas, bah merci à toi Ino d'avoir été présent, ça a été vraiment très très cool, merci pour tes cadeaux en plus, d'autant plus. On se retrouve très bientôt, et puis bonne soirée à vous deux. C'est ça, bonne soirée à vous et effectivement on se retrouve sur Twitch ou sur YouTube. Allez, ciao ciao. Salut.